Hop là, je crois. Ça m'a l'air correct. Normalement, c'est comme Jacques, c'est tout bon. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va sans plus. Bonjour Nayonet. Ah, oh, tu dégotes Cocorico, la... J'allais dire la Toyota, moi, n'importe quoi. La Renault Sport... Renault Sport, ouais, de 2000... Non, 01, pardon, la 01 de 2016. Oh vache. Je la vois même pas d'ailleurs en visuel de tête. Oui, donc je vous cache pas que je suis un peu secoué, pas mal d'ailleurs, je dois vous l'avouer. J'ai malencontreusement cette semaine enterré ma dernière tante et je dois l'avouer, ça me travaille plus que je ne pensais. Donc, vous inquiétez pas, hein, ça va me passer, mais vous allez peut-être me voir un peu dans un état un peu spécial ce week-end. Vous en faites pas, hein, évidemment, comme d'hab, on fait le plein de bonne humeur ensemble, et puis je pense que le fait d'être avec vous va me rincer, on va dire, l'esprit. Oui, je t'accorde une voiture que j'ai jamais vue. Enfin, jamais vue est un bien grand mot. Mais comme c'est déclaré, comme quoi. Oui, ça vient de Toyota Sport. Oui, bah, c'est le dernier opus qui est sorti. Enfin, non, il y a le 7 depuis. Mais c'est un opus que j'ai pas. Je me suis arrêté au 6. Donc le Toyota. Oh, j'insiste. Le Gran Turismo Sport, pardon. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ah oui, il fallait que je récupère la caisse de d'Antizine. Je reviens au jeu subitement. Burp. Quelle horreur. Je me sers du bidon d'un cadavre tout frais pour amortir ma chute. Ah, ça me fait toujours mal quand il fait un saut de plus d'un étage. Alors, passion crochetage. Hein? Ah, j'ai eu un doute, j'ai cru qu'il avait pris qu'une Unital Shuriken sur les trois. Mais il y a un cambriolet ici. Bienvenue sur Kleptomanie Simulator. Oh mon dieu. On vole tout. Tout nous appartient. Je fais nappe. Y a pas un zombie là? Je suis. Oh, oh, puis ils sortent des égouts. Burp. Ah! Elle m'a fait peur! Encore? Où sont-ils? Vilain! J'aime bien la physique quand on dégomme les zombies. C'est horrible. Ah, difficile. C'est qu'il doit y avoir un beau butin. On est d'accord, il n'y a rien au-dessus. Je me méfie maintenant que l'autre m'a mis le grappin dessus, là. Ah! Je commence et puis je suis déjà négligent dans la. J'ai eu un doute. J'ai cru que c'est. Parce que c'est un difficile, alors je peux louper le. Ah! Presque. Non! Ah oui! Oui, passons des temps dans ta compagnie. Oui, merci. C'est tellement plus facile avec la bonne clé, tu m'étonnes. Un petit couteau de pêcheur. Tu, pêcheur. Pêcher là-bas. Didadididouda. Bon, bref, il faut que j'aille vers là-bas, moi. C'est pas tout de chantonner. Oula.
Je crois que mon arme, elle est bien, elle est neuve normalement en plus. Putain, la vache, attends, mais ils ont largué ça où? Faut que je retourne sur la voie rapide. Ah mon Dieu! Bienvenue à Zombieland. Bon. Ouch. Oh la violence! Je rappelle que ma chaîne est réservée aux adultes, 18+. Parce que c'est trash, hein. Ouh. Ah! La bonne blague. Mais non, mais non, mais non, mais non. Puis il y a la bagnole en feu. Ah oui, ça va. Il y a de la terre juste à côté. Jad, les hommes de rail sont arrivés avant moi. Bordel. Ne cherche pas à te battre. Trouve la deuxième. Cherche la fumée que dégage la fusée éclairante. La caisse sera tout près. J'ai un doute. Je me demande si vous entendez bien le jeu. Parce que j'avais un moment, j'avais commencé à écouter mes redifs d'Aran, là, enfin du jeu. Et je trouvais que le jeu était pas super fort. Attends, vidéo ne veut pas dire son. Merde. Ah, ah si, c'est là. Si, vous entendez bien? Ah oui, alors le chiffre violet, en fait, il est gadget. Normalement, c'est l'heure que je déclare du chronomystère. Et souviens-toi que c'est... Chronomystère. Pfff. Ouah, j'ai du mal aujourd'hui! C'est le chrono du tableau mystère. Mais on peut le dire, c'est un chrono mystérieux. Quand je déclare pas une heure fixe pour le jeu, j'ai tout connement un... Bah tu vois, un compte à rebours qui ne veut rien dire en fait. Qui démarre à 100 000 quand je lance le logiciel que j'ai programmé. Et... Mais comme il est en cours de développement, tu vois, cette valeur est cucul à praline. Voilà. Mais je comprends que ça vous intrigue, vous avez raison. Peut-être les voix, un poil plus fort les voix, que vous entendez bien ce qu'ils disent. Encore les sons d'entendre les détonations de flingues et les gémissements de zombies, de bleh, peut-être pas forcément nécessaire. Donc, on l'a déjà dans le baba pour la première caisse sur les deux. On entend qu'il y a des humains. C'est la bande rivale en fait. Aouh! Merde. Elle demande de la minutie quand même. Et je vous en parle pas des très difficiles. Te font un retour de diffusion pour contrôler. Bah, le pire, honnêtement, c'est que j'en ai un, mais que je m'en sers pas, c'est ma tablette. J'ai tous les outils en fait en main pour faire un truc parfait, mais je suis un vilain, j'ai pas tout déployé. Enfin, ou j'ai pas les réflexes. Oh, ça va me plaire par ici. Oh, il l'a carrément ouvert avec un coup de pied. Sympa. Yalla! Attends voir. Est-ce qu'il y a des trucs à... Oh oui! Il y a encore une boîte cadeau. Toi aussi, tu aimes les boîtes cadeaux. Oh, j'ai pas regardé en reprenant ma partie. Mes trousses de soins. Parce que si je me fais avoir avec une Rix, je sais pas quoi, si j'ai pas de trousse de soins, c'est la mort, quoi. C'est pour moi la garantie, vous pensez bien d'avoir de quoi garder le rythme. Petit couteau esquive, ouais, c'est bien pour faire des armes de qualité, à mon niveau. Bougez pas. J'ai combien de trousses de soins, moi, dans le sac à dos? J'en ai 18, ça va. Et je peux en faire 7. Allez, j'en fais une pour le geste. Hop là. C'est bien. Alors, je vous rappelle que Dying Light, il peut m'arriver de me faire des petites sessions de jeu. Voilà, j'ai dû en faire que 2-3 hors antenne depuis que j'y joue.
Mais dès que je fais du hors antenne et ce sera des vidéos exclusivement diffusées sur YouTube, je m'interdis de faire les objectifs, forcément. Les objectifs, je les fais, le scénario, je le fais en direct avec vous sur Twitch. Ah, c'est eux les guignolos? D'accord, ils ont trois griffes sur le... C'est leur signe de bande. Les très très trolls, ouais c'est ça. Ah! Non, c'est pas la molette de souris que t'entends. C'est mon clavier de jeu, le Nostromo, qui tient à une main et c'est la molette de direction qui se fait vieille. Et dont le plastoc finira bien par péter un jour, malheureusement. Que vous entendez. C'est pas la molette, hein. Ouais, on pourrait croire. Mais si le bruit est vraiment chiant, je peux décaler un peu ma main et le périphérique sans que ça me soit gênant. C'est vrai qu'en même temps, je vous livre un direct ASMR. Ouais, enfin plastoc, je pense plus le caoutchouc, je pense qu'il y a une base de caoutchouc. Wow, c'est moi ou c'est de la neige? Hey, il neige! Ou alors c'est des cendres. C'est les cendres des apparts qui crament. La nuit va tomber. Il faut que tu files. J'y suis presque. Je peux y arriver. Me fous pas les chocottes, Miss Scorpio, là. What? Ah! Oh là, je vais me faire mal. Ah! Attends, j'arrive! Oh. Voilà! Non, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Merci pour la thune. Bon, bref. J'ai une livraison urgente, mais. Ah, attends, mais c'est tombé sur la rive. On voit la rivière. Oh là, ces couleurs sang, c'est horrible. Oh la merde. Bienvenue à Zombieland. Ah bah tiens, j'ai un point de vue encore. Ah bah il est là le parachute. Facile. Il est... Attends, c'est quoi cet escalier? Ah! Bonjour, Twinsen. Tu nous fais un live piscine après? Non, non. Hop, 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 hop. Il est bien vif, lui, pour un zombie. Oh. Ah. Bonne ou mauvaise surprise? Oh, bonne! Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'antisine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi? Mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Ouais, il va commencer. Jade, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'antisine. Rien ? Merde ! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties. Ne les laisse pas te voir. Merde. Ils ont dû m'entendre. Ah, une nouvelle horreur. Oh putain. Oh putain.
Les compétences gagnées durant la nuit sont doubles. Oui. Oh oui, d'accord, parce qu'il me course encore. Oh la vache. Ah. Oulala, la difficulté vient de passer. Ils arrivent à escalader ou pas? J'espère pas. Ah. Oui, pourquoi pas. Oh, waouh. J'aurais jamais cru. Oh la vache, les salauds. Ils font des cabrioles eux aussi. Bon, pour mieux se ratatiner comme des cacas, mais... Wouh. Wouah. Et j'ai eu les jetons, hein, grave. Oh, les salopards. Ah, c'est la nuit qui tombe, les boules. Retourner à la tour. Ouais, si je peux, ouais. Ouais, donc là, il commence à douter de son employeur parce que... De dire de... Comme ordre de détruire le remède, dur, quoi. Avec les vies qui sont en jeu. Alors c'est là où je suis content, souvenez-vous, dans mes quelques heures d'errance hors antenne, les choses que je faisais, c'est que regardez sur la carte, vous voyez le safe, l'endroit sécurisé. En fait, sur la carte, j'ai toutes les maisons vertes au niveau de la ville. Et en fait, c'est des refuges, des abris. Donc au moins ça me permet de pérenniser ma partie et de m'assurer en direct là aussi un bon rythme de scénario, c'est-à-dire que j'arrive à sauver ma peau dans la plupart des cas. J'arrive même pas à voir sur la carte où je suis exactement en fait. Ah, je suis là. Oh bah ça va, je suis pas trop loin de la tour, faut que j'aille plein ouest. Ah oui, c'est le thank you. Bah oui, c'est ça ma tour. Ah oui, avec la grue par-dessus. Bah c'est bien, en plus, en me barrant, j'ai pris la bonne direction. Ah, d'où les ampes UV en bleu. Eh ouais. Ils aiment pas ça, les rôdeurs de nuit, là. Mais du coup, ça veut dire que je suis obligé d'identifier les zombards. Voir lesquels sont classiques. Il s'est transformé lui ou quoi? Il s'est transformé le zombard sous mes yeux. J'espère qu'il m'a pas vu. Waouh. Ah ouais, non mais la nuit c'est ultra craignos quoi. Bon, faut vraiment retourner à la tour et... Ah, mais il est encore là, ce con. Il est revenu. Croyez qu'il m'a vu? Non, je pense pas. Par contre, pour redescendre, ça va être sport. Ha! Ha la vache. Waouh. Ouais, alors attends, je développerai mes points bonus une fois au bercail. Attends, je redescends par là où j'étais arrivé, ou presque. Ah ouais, ça va, là je peux descendre. Hop là, nickel. Ah. Vache. Oh merde. Oh oh.
Oh là là! Ah, c'est chaud! Et là, j'ai encore 6 zones à sécuriser. Comment tu l'as vu? Tu une scène? Parce que j'ai mes maisons vertes. Quand elles sont pas sécurisées, elles sont rouges sur la carte. Attends, on verra ça une fois que je serai posé à la tour, si tu veux bien. Merde, il y en a un, il me repère. Oh merde, il m'a repéré. Ah! Je suis dans la mouise. Appuyez sur S pour regarder derrière vous quand vous courez. Oui, bien sûr. J'espère que j'ai beaucoup d'endurance. Oh merde. Oh là. Vache! Merde, j'ai plus beaucoup d'endurance, je suis dans la merde. Oh là, j'ai très très chaud. Ouhouhouhou. Oh là là, ça craint. Ah, ma fameuse... C'est bon ça. Attends, il faudrait que je prenne un peu d'altitude. Oh la vache, ils sont redoutables. Voilà. Wouh! Wouhouhouhou! Oh, je me sens mieux. Wouh! Alors, jeu de nuit. Pas très envie des jeux de nuit. Attendez, je vais vous lire dans le chat, pardon. La nuit, les points d'agilité et la puissance obtenue sont doublés. Bah tu parles, le risque est énorme. En échappant à une poursuite de nuit, vous toucherez davantage de points d'agilité. Plus vous passez de temps hors des zones sécurisées, plus vous gagnerez de points de survie. Oui! Ça craint, mais je te dis pas les boules, quoi. Ouh. Oh la vache! Oh, c'est quoi le cadeau du jour? Là, je l'ai mérité, là. Pas d'objet. C'est moche. C'est très très moche. Regarde un peu où tu vas. Oui, excuse-moi. Oh. Alors, est-ce qu'il faut marcher à pas de loup pour éviter de les attirer avec les bruits? Oui, je pense que ça rentre en considération, Nayonet. Je veux dire, il y a un système de bruit avec les réactions des zombies. Je pense que c'est intégré, je pense. Oh, une scène. Imaginez Fun Fan avec sa calculatrice pour préparer pour ce soir. Allez, la récompense des points de compétence. Alors là, c'est intéressant. Chute légère. Réduit les dégâts occasionnés par les chutes de moitié. Tomber d'une grande hauteur demeure fatale. Oui, ben, je pense bien. Évasion. Quand vous êtes empoigné, vous pouvez vous débarrasser plus rapidement des mordeurs. Non, le fait d'avoir un saut d'athlète, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Ouais, ça me rassure. Ouh! Félicitations, t'as passé la nuit. Dommage que la mission soit mal passée. Si un plus un des chiffres serait pas bon. Oh, le vendeur. Jared. Alfie veut te voir. Il est en bas, à l'atelier. Oui, bah j'irai à l'atelier après. Nah. On a toute la nuit pour parler. Alors, Yvan quoi? Il est pas si cher que ça. Alors pour avoir fait justement une de mes parties hors antenne, j'étais tombé sur un vendeur en ville. Il avait des tarifs beaucoup plus prohibitifs, hein. Limite le double.
Lui, il est plutôt gentillet dans les tarifs. Ouais, ça peut être pas mal. Réparation 4 pour la batte classique. Ah, j'ai de la thune. Alors, 2 700 $ contre 11 723. Je sais pas, j'hésite. Oh, non, j'en ai peut-être pas besoin dans le sens où j'ai pas mal de. Oh, plan liquide inflammable. Augmente l'efficacité du feu avec des plans liés au feu. Ah ouais! J'ai bien fait de prendre le temps de lire le truc. À 200 $, j'achète. Aérosol, j'en ai pas tant que ça, mais allez, je vais me prendre un petit aérosol. Alors, vendre, j'ai des trésors là, rien que de ma sortie. Tout vendre. Oh, pour une fois que j'ai qu'un paquet de clopes. Mais je vais revenir le voir parce que dans mon sac, je sais que j'ai cumulé plein de trucs. Donc, au niveau thune, ça. Ou alors, je les garde dans mon sac, on sait jamais. Imaginons que je me fasse dépouiller de manière scriptée dans le jeu et que j'ai vous savez, ils me mettent les dollars à zéro. Je sais pas si c'est prévu, ça pourrait être chier, mais bon. Je peux aller au quartier. Enfin, je sais qu'on a besoin d'antisine, mais l'acheter à Raïs, c'est pas sérieux. J'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, mais tu plaisantes. Ce type-là, Rice, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, veuillez nous laisser, Crane et moi. En même temps, il a raison. T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je veux pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Intéressant. Elle me demande ce que son patron généreux va lui dire quand il sera avec Rice. Ah oui, j'ai encore été récompensé, oh mon dieu. Oh là là, le déluge de cadeaux. Par contre... Ah, l'atelier... Non, il avait dit en bas l'atelier. Parce que ça, excuse-moi, c'est un atelier. Oh là là. Oh là, il est complètement quick. Ah oui, ils se relaient pour dormir, ils ont qu'un plumard. Ah non, dur. Oh là, j'ai les plans là. Oh vache, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les gardes. Non, ah oui, c'est les gardes. J'allais dire, je pensais il y a le. Non, c'est au 20e étage qu'il y a les gamins. Pas mal, avec la lampe, j'aime bien l'ambiance. Ah bah c'est mon sac, c'est mon. Oh la vache. Ah, c'est bien l'effet. Ah putain, on voit tous les tâches qui crament en fait. Avec la lumière. Oh là là, trop flippant. Alors, vous voyez, j'ai des trésors dans mon sac. Et le fameux 9 mm. Je vous avais dit que j'avais ma première arme à feu en ayant parvenu à faire sauter au bout de 10 crochets une serrure très difficile d'un fourgon de police. Et la joie quand j'ai eu le 9 mm. Stratégiquement, ça va m'aider. J'ai une caisse humanitaire, je ne sais plus ce que c'est. Oh la vache, oui, non, cigarette, machin. J'ai des trucs à revendre, c'est une fortune. 250, donc là ça me fait 1200. Oh la vache, si, si, il y a des trucs. Bijoux à 500 $. Améliore toutes les statistiques de votre arme niveau 2. Blablabla. Bla, 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 bla. C'est intéressant. Alors, dans l'inventaire, alors, faut que je regarde. Encore 4 réparations, 3 réparations, 1 réparation. Donc, le reste, je peux le ranger dans mon sac. Voilà. Oui, je vais pas prendre tous les shurikens de la planète. Liquide conducteur. Permet d'arroser les ennemis d'eau. Ça fait des étincelles avec les armes électriques. Pas con.
C'est pas con. Ça me plaît bien. Amélioration d'armes. Putain, j'ai des trucs, je sais même pas comment on s'en sert. Améliore la maniabilité et résistance. Ah! Putain, j'ai des trucs intéressants. Faut que je regarde comment. J'ai pas encore appris comment je me sers à améliorer mon matos. Est-ce que je change de tenue? Je suis en abyssal là? Bah, je crois que j'avais mis un truc classe, costard-cravate. Ah mon dieu! Je ne sais plus. Nouveaux habits, traceur. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais me faire en traceur pour la nouvelle journée. Je serai tout propre, tout beau. Alors, j'avais dit que je vous lirais dans le chat. Le jeu est prenant, excusez-moi. Dans Counter-Strike Go, les autres joueurs peuvent entendre les bruits et les pas proches quand on marche en multijoueur. Ouais, c'est bien foutu. Je sais plus, c'était. Non, c'était pas Counter-Strike. Mais c'est repris par pas mal de jeux du genre. J'avais vu Weneda. Elle avait fait je sais plus quel jeu, et en fait le gars l'avait repéré grâce à un détecteur cardiaque. En mode multi. Ouais, en mode multijoueur, oui. Non, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Oui, j'avais dit que j'essaierais d'améliorer une de mes armes. Alors attendez. C'est dans le plan. Non, c'est de la chimie, des boosters de. Oui, non, ça c'est pour me doper. Arme de jet. Arme DLC. Ouais, j'ai la chance d'avoir des trucs bonus, mais j'ai pas ce qu'il faut. Arme 10-112. Comment ça marche? De toute façon, j'ai rien de compatible visiblement, donc. C'est couillon, je vois pas comment je peux me servir de. Comment ça, déposer à récupérer? Sélectionner une arme dans l'inventaire et appuyer sur F6 pour utiliser l'amélioration. Sélectionner une arme dans l'inventaire. F6 pour l'utilisation. Ah oui, améliorer, d'accord. Ok. Là, j'ai une batte de baseball. Je peux l'améliorer. Ah, c'est ça! Oui, j'avais déjà déclenché ce menu. Pardon, je suis en train d'apprendre. Ok. Amélioration 0 de 2. Ah ouais! Ah oui! Elle gagne en résistance. Ah, tu m'étonnes. Elle est plus maniable, elle est encore plus résistante. Ah oui, dès le début. Ah oui, autant qu'elle soit résistante. Voilà. Ouais, j'espère que j'aurai bien rentabilisé, enfin que j'ai bien rentabilisé ma batte spéciale. D'accord. Le reste, en attendant, je vais pouvoir le ranger dans le sac. Alors, pardon si c'est un peu mou au niveau de du rythme, mais vous voyez que ça a son importance. D'accord. Donc, les améliorations, je les vois où dans le sac? Il met tout en vrac ou... Oh, il met tout en vrac, ouais. Laisse tomber. Alors, que je survole. Alors, ça, c'est le genre de truc, promis, je le fais hors antenne parce que c'est attendre jusqu'au matin. Bah, non, j'ai pas parlé avec tout le monde. J'ai pas parlé avec tout le monde. Il a peut-être un truc d'intéressant à vendre. On voit qu'il se fait bien suer, pour parler poliment. Lame crochet, tac tac tac. Ah, ça coûte cher, hein, la vache. Mais c'est sympa. Masse à emboutir lourde, oui! Wouh! Eh bé. Ouais, je peux vendre des trucs, ouais, non. Ouais, il est trop cher. C'est vrai que son matos c'est de qualité, mais c'est pas mes tarifs. De toute façon, ça va, j'ai encore de la réserve.
Je serais à poil encore, je dis pas, si j'avais pas de matos. Eh, on va s'admirer la nuit de la ville de nuit. Ouais, stockage, ça a pas bougé. Là, je pense pas qu'il y ait du nouveau. Ah merde, j'allume la lampe torche, ils dorment. Ils sont claqués, les gars. Ils sont claqués. Ah oui, j'ai des points de compétence. Elle est encore là, elle? Décidément, je vais parcourir qu'elle dort de jour et que c'est une veilleuse de nuit. Ça, je sais plus sur quoi ça donne. Ah oui, j'ai pas l'air d'ouvrir le pack. Putain, c'est le néant là. C'est le néant. Oui, c'est bizarre, il n'y a personne. Là, on entend des bruits. On entend des bruits. Si j'éteins, c'est... Ah oui, non, ça va encore. Il y a un effet un peu flip, jeu d'horreur. Mais c'est l'étage des gamins, non? Ils devraient pas être dans des plumards en train de pioncer. Bon, il y a celle qui a... Ouais, c'est bizarre. Ah, il y a toujours le mec. Jour comme de nuit, il dort pas, lui. Insomnie. Ah, le gamin, il est là de nuit. Enfin, il n'y a pas tous les gosses, hein. Souvenez-vous, de jour. Il y avait pas mal de... Ah, ils ont dû mettre à l'abri ou alors ils font dodo? Non, là, c'est la salle de jeu. Ah, ils sont peut-être retournés auprès de leurs parents dans les apparts inférieurs. Je pense. Non, ils ont rien à me dire, hein. Dialogue. Bastazar. Bon, bah, j'ai déjà fait le tour, je vais pas recommencer. Oh. Ah, il y a eux. Non, ils ont rien à me dire. Oh la vache, lui, il a pas faim, là. Là, il en peut plus, là. Il est au bout de sa vie, là. Il est... Oh là! Oh là là! Faut qu'il aille se coucher. Ou alors, il a bu trop... Il a bu la bouteille d'un coup, il est... Ouch. Ouais, non, à mon avis, il pionce. C'est pas mal, la manière dont ils ont fait le... Comment on appelle ça? L'animation de la vie à chaque phase du scénario. Oh, c'est beau. Ah, comme Batman, je me mets dans la lumière sur la plus haute tour de la ville. Tadam! Je suis votre nouveau héros. Ah! Oh la vache. Ah, ça c'est un territoire revendiqué par les... D'accord, je comprends mieux maintenant. Le coup des trois griffes. Et eux là-bas, ils ont de l'électricité parce que c'est théoriquement les non-zombifiés. D'accord. Oh, coucou, Poupon. Alors comment ça va? Tu te sens mieux? Parce que comme t'es pas mal secoué par ton nouveau traitement, comme tu nous l'avais expliqué. Ah oui, j'ai des points de compétence pas utilisés, c'est vrai. J'espère que tu vas mieux, Poupon. Niveau survivant. Troc. Ah ouais, je sais pas si c'est le plus intéressant. Expert en fabrication. Ah ouais. Améliore votre compétence en fabrication, créer plus d'objets à partir des mêmes matériaux. Bah oui. Ah, sauf que j'ai rien déverrouillé là. Ah, c'est les niveaux suivants. Ah, je vais peut-être pas le dépenser tout de suite. Les boosters durent beaucoup plus longtemps. C'est intéressant. Retard expérimenté. Apprenez à m'utiliser la place dans votre sac à dos. Gagnez 6 nouveaux emplacements pour transporter des armes. Ah ouais! Si je vais loin, ouais. Ouais, bah c'est pas perdu, je vais faire comme ça. Là, tu m'étonnes. Ah, t'es complètement crevé! Ah merde! Oh, bah, repose-toi bien. Vache. Ah, c'est chiant quand la chimie. Répare, sauve le corps, mais te bouffe toute ton énergie, c'est épouvantable. Eh B.
Enfin bon, bisous tout plein, Poupon. Aïe aïe aïe, courage pour la suite. Oh la vache. C'est vachement bien fait. Je regrette pas d'être monté sur le toit parce que on voit à quel point on est isolé de la civilisation qui est encore épargnée du virus, quoi. Oh les boules. Et honnêtement, pour avoir vu une fois le scénario complet du jeu, je sais plus si ça dérape grave, c'est-à-dire que la partie qu'on voit encore de la ville où ils sont sains, isolés, si ça merde ou pas, s'il y a une panique, je sais plus. Je me souviens que là où je me trouve, l'HLM, il va y avoir un moment un scénario catastrophe. Où la pandémie va les rejoindre jusque dans les étages. C'est dingue. Je vais me laisser impressionner évidemment par la peinture phosphorescente. Allez, à chaque passage, je peux jouer un coup. C'est. Il y a peut-être un succès à la fin. Avec le coup du jeu de damier là. Là-bas. Ah, de l'autre côté du pont. Avec le... Bah oui, non, ça fait partie de la ville, donc forcément. Oh la vache. Et ça, c'est revendiqué par les. La bande rivale, en fait. Oh là là. J'aime bien. C'est une nouvelle molécule de traitement du diabète qui améliore en même temps les fonctions rénales et cardiaques, mais il y a un petit adaptation pour le corps. Bref, ça va aller mieux, beaucoup mieux après. Cool. Ouais, tu dis très bon jeu, bon environnement et bonne jouabilité. Ouais, tu t'y es déjà frotté, Poupon. Ah, en dehors du gameplay que j'ai vu de Fanta et Bob, que j'aimais bien suivre jadis, j'en ai pas vu d'autres, et du coup, bah, c'est la première fois que je joue, moi, ma propre partie, quoi. Et je me régale. Oh putain, les effets de lumière, de fumée, j'adore, extra. Alors, tout en bas, au 18e étage, j'étais attendu. Je ne l'avais pas terminé, mais un bon souvenir. Ah ouais, bon, moi, je suis quasiment certain que je vais le terminer. Je serais très surpris de m'arrêter en cours, parce que je suis complètement captivé par et la mécanique de jeu, et le... T'as la vache, on voit le câble qui court d'alimentation. Non, je peux pas me servir dans le... T'as la vache, ils sont KO. Merde, je suis pris dans le matos de soins. Ah, le gamin. KO, KO. Le gosse. Oula. Ouais. Ça doit être le 183, ce serait le débrief? Non. Non, il me dit mon objectif est au-dessus. C'est bizarre, tiens. Ouais, je les ai pas compris, là. Oh la vache. Bah. Ah, c'est là où j'avais démarré l'aventure, ouais, ça y est. Chaque fois, le même appart, on était allongé sur ce lit-là. Putain, je sais pas qui a craché du sang, mais je n'ai pas souvenir que c'était mon perso. Enfin bon, bref. Papa, Sigbé. Ah, l'infirmerie, comment ça se passe? Putain, la vache, elle veille de nuit. Bravo pour la fermeture du labo d'Antizine. Tu as sauvé de nombreuses vies. Il faudra pas longtemps avant que quelqu'un en monte un autre. Le danger, ce sont toutes les bouteilles d'antizine vides qui traînent partout. Les gens les jettent et n'importe qui peut les remplir avec n'importe quoi. Vous devriez commencer à les détruire. On a ramassé toutes les bouteilles de la tour. Et Brecken offre une récompense de $10 pour chaque bouteille rapportée par les traceurs. Intéressant. Bonjour Christella. Oui, merci. Bon samedi à toi aussi. On dirait moi en ce moment. N'en parle pas de malheur, Poupon. Eh B. Oh là, ce vieux téléviseur. Oh la vache. Elle est dure, elle est dure.
Alors, avec quel personnage j'ai pas parlé? Bah, j'ai fait le tour là, non? Je sais plus. Mais si, j'ai fait le tour. Voilà, il y a le gamin qui. Ah, il a bougé. Oh, bien. Donc, en fait, c'est à l'étage qu'on voulait me débriefer. Attends, c'est une statuette, ça, non? Ah non, j'ai une, un effet d'optique à la con. J'ai cru que c'était une statuette à collecter, mais pas du tout. Bon, allez, là, pour le coup, je manie mes fesses. Ouais, donc c'est bien, là, c'est condamné. Et... Ah, c'est au rez-de-chaussée qui m'attendent, maintenant. D'accord. Ouais, mais je vais faire passer la nuit, je vais pas y aller de jour, si. Enfin, je veux pas... Enfin, bref, vous m'avez compris. Je suis dans une confusion. Je suis en train de cogiter. Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Rice. Et comme tu as découvert que ce Rice est celui qui a dérobé le fichier secret du GRE, c'est l'occasion rêvée. Mmh. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa. Non, il n'y a pas de nouveau défi, je sais pas quoi. De toute façon, j'ai pas fait les deux précédents, alors... Peut-être que je ferai ces deux défis en antenne, je sais pas. Mais c'est relevé, là, c'est difficile, donc... Ils vendent des trucs, lui. Ah, c'est lui. Attends, pourquoi j'ai des points d'exclamation? Ah, je sais déjà plus lire ma... C'est toi, Alfie? C'est moi. Électricité, maintenance du bâtiment, c'est moi qui fais tourner la boutique. Content de te voir. J'allais t'appeler. Quel est le problème? Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que t'as remis l'éclairage dans le chaudron. La mauvaise, c'est que ça a fait sauter le jus près du pont routier. On y voit plus que dalle, là-bas. Et donc, tu veux que quelqu'un rallume? Il y a deux sous-stations. Pif, paf, tu les rallumes. Peu importe l'ordre. Ensuite, tu relances la ligne de la station principale et ça s'illuminera comme un sapin de Noël. Je dois pouvoir y arriver. Bien sûr que tu peux. N'importe quel traceur pourrait le faire. Mais il y a un hit. L'extinction de l'éclairage a créé une petite zone d'ombre pour les rapaces. Ils sont nombreux à s'y retrouver à la nuit tombée. Alors, j'ai installé un piège. Mmh. Déjà en place, prêt à se déclencher. Donc, si tu rétablis la ligne pendant la nuit, on pourra faire griller tout un tas de ces saletés d'un seul coup. Pendant la nuit, c'est carrément plus risqué. C'est clair. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de volontaire. Tu m'étonnes. Mais j'ai comme l'impression que t'es un peu plus solide que le reste des troupes. C'est peut-être qu'une impression. Disons que je suis là pour rendre service. Vraiment. Que des bonnes intentions, hein. J'espère que t'as du cran, ou tu tiendras pas longtemps. Bonjour et bienvenue AirPod. Alors, le fait de m'aider, merci, l'intention est noble. Comment dire, tant que je ne demande pas explicitement un conseil ou... non, voilà, c'est... Encore que vous pouvez éventuellement me glisser spontanément 2-3 conseils, mais surtout me divulguez pas. L'intrigue ou des gros pièces de puzzle. Sachant que mon profil de joueur, je suis l'inverse d'un speedrunner. Faut comprendre que je prends le temps de farfouiller, de flâner, entre guillemets, même si le jeu s'y prête pas vraiment, de contempler, de commenter des trucs. Et je suis à mon rythme lent, mou diront certains. Et faut pas s'en faire. Mais il est vrai que si je me trouve dans une situation où je suis bloqué, que j'ai éventuellement provoqué un bug... Tu m'entends? Ah, elle parle. Brad, ouais, je te reçois. Il y a un problème? Non, c'est... Écoute, Green. Ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce qu'Amir est mort en te sauvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice ne nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je
Écoute, Jad, on en reparle dès que je suis là avec l'antizine, ok? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. Moulant, oui, c'est ça. Oh, pas mal l'idée d'accrocher un tapis sur le mur. C'est un style. Échanger. Ah, plan pompe à poison. Ajoute un effet toxique à n'importe quel arme de combat rapproché. Oui. Les plans, je veux avoir la collectionnite pour optimiser mes chances de survie. Intéressant. Oui, du coup, j'ai rien revendu. Non, je garde mon truc. Donc, j'ai plus d'emplacement dans le sac à dos, normalement. Attendez, voir. J'ai même pas vérifié. Oui, pompe à poison. Ouais, c'est cool. Ah oui! Ah oui! 14 emplacements. Ah oui, il est bien, le sac à dos. Mmh, on va aller faire des emplettes en ville. Waouh! Présentez-vous à Rice. Mais je suis obligé de le faire de nuit, non? Attends, là je fais une connerie si je retourne de nuit. J'ai bien mérité ma nuit de sommeil, normalement. Ah! Objet en stock, batte de cricket. Ah ouais! Ah ouais, j'apprécie le cadeau. Merci les cadeaux! Oui, la carte bleue va chauffer. Ouais, on va dire ça comme ça. Attends, je vais relire quand même le détail des ordres de mission. Je remonte à l'étage dans l'optique d'aller me pioter et de reprovoquer le jour suivant. Mais je vais relire dans le détail ce que dit l'intitulé de mission. Je pense pas qu'ils aient précisé jour-nuit. Oui, voilà, c'est ce qu'ils viennent de dire. Oui, non, je suis pas obligé de le faire. Ah oui, puis il y a les quêtes annexes. Ah, ça me plaît. Ouais, c'est par étape le coup du voltage. Donc non, je peux le faire de jour, là. Sinon, c'est du suicide, mon truc. Faut pas déconner. Ah, bah c'est bien, je vais aller me pioter. C'était garde, je crois, non? C'est là que j'avais ma... C'est ça. Voilà! Attendre jusqu'au matin. Ouh! Vous avez... Alors, c'est con. 3 heures plus tard. Très petite nuit. Oh la vache. 3 heures plus tard, il a pas beaucoup dormi, le mec. Ah, le gars, comme les marins, il fait que des micro-siestes. Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Rice. Et comme tu as découvert que ce Rice est celui qui a dérobé le fichier secret du jeu. On connaît déjà les ordres de mission. Alors, je serais tenté de pas faire Rice tout de suite, mais de faire la mission secondaire, le voltage. J'ai commencé par le voltage, ça me plaît. Alors, sur la carte. Je suis retourné dans la zone sécurisée d'un pas. Bref. Il y en a une là. D'accord. Et l'autre est évidemment au bout de la ville, sinon c'est pas drôle. Ah non, ah oui, non, elle est là. Oh, ça va, c'est pas trop loin. Oh, c'est gentillet comme objectif. Je serais surpris de me faire exploser par des zombies. Ben voilà une mission secondaire qui est bien sympatoche. Papa, papa, papa.
Ouais, je peux déjà faire mes emplettes. Vide. Les chalopios, ils savent qu'on est près de la base. Ils donnent pas de récompense. Il n'y a pas eu de prise de risque. Oh. Ouf. Comment qu'il est sorti comme un diable de sa boîte, celui-là? Oh la vache. Ils peuvent littéralement me tomber dessus. Allez, un petit peu d'action quand même. Alors, on pète le feu? Lui, il a pas intérêt à me claquer la bise, parce que comment qu'il est brûlant? Ah! Oui, l'endurance, moi, peut-être que j'en prenne un peu plus. Ouch! Oh, cette violence. Évidemment, ils m'ont entendu. Bon, ça reste encore gérable, ils sont que deux. On va peut-être changer d'arme quand même. Ah, bah il est déjà mort. Ah, eux aussi, bah voilà. Encore? C'est pas possible, il y a une bouche d'égout pas loin. Allez, on va changer d'arme. Oh, 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 oh. L'autre, il m'a trouvé un peu trop à croquer, là. Il n'y en a pas d'autre. Oh la vache, il se relève vite. Oh, sympa la récompense. J'ai eu un beau bijou. Ça vaut 500$, normalement. Qu'est-ce qu'ils me font? Oh là 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 là. Ah, merde, il y a une madame! Wop, hop, 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 j'ai un excité. Alors, l'excité, j'ai intérêt à le maîtriser en premier. Ah bah, c'est bon. Allez, reprends ton endurance, Crane. Oh, vache. Ouh, merde. Encore un super dangereux. Mais comment qu'il m'a entendu? J'ai pas fait de bruit. Tiens, tu vois, Nayone. Toi qui parlais du bruit et... Ceux-là, ils m'ont mis le grimpin dessus, mais alors une vitesse. J'aurais tiré un coup de feu, j'aurais provoqué une explosion, je dis pas, mais là, c'est même pas le cas. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Oh non! Encore un super excité! Allez, hop. Comment qu'il se jette comme un caca? Bon, il y a des passages qui vont être un peu chauds. On va peut-être éviter la rue principale. Wop, hop, 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 oh, 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 oh. Bravo. Merde, elle fait plus rien mon arme. Hop là. Oups. Merde, il est tellement dans le décor, il s'est pris littéralement la porte. Au point de fusionner avec, je pouvais plus le fouiller. Ah, sympa les... Un peu de monnaie dans les cabines. Oh, attention, plaque d'égout. Évidemment, il m'a repéré. Alors, high voltage. Ah, évidemment, plaque d'égout. Fallait que je tourne le dos à la plaque d'égout pour qu'il y ait un zombie qui en sorte. Évidemment. Hop, 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 hop. Vite, reprends ton endurance. Très bien. Ouh. Attends. Ouais, oh, magnifique. Un petit coup bien placé, puis qui a pu. Oh la vache. J'aime bien, la difficulté est bien dosée. Et encore, c'est que le début. Oh. Je me fais avoir comme un bleu. Oui, là, je vais me sauver, là. Ouais, 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 parce que dur. Mais il est coriace, lui. Oh. Bon.
doit y avoir une zone. Ça va, j'ai encore 20 kits de soins sur moi. Ah, voilà. Il y a eu forcément un point d'entrée. Alors. Oh, je dois avoir une surprise à l'intérieur, non? Ah, crochetage facile. Oh, je vais avoir une surprise à l'intérieur, c'est obligé. Il y a forcément une cochonnerie. Non, le coup de pied, c'est vrai que j'ai pas le réflexe, Stella, je te l'accorde. Je te l'accorde. Je fais pas assez de kung-fu, là. Facile, pas tant que ça. Attention. Je suis dans la sous-station. Trouve le panneau de contrôle et allume-le. Ça réinitialisera le système. Ah, il y a mieux avant. Il y a du matos. Ah, objet de valeur. La bourse. Touk, un petit peu de gaz. C'est bon, ça. Ah oui, d'accord. Ok. Bien. Maintenant, tu dois faire la même chose dans la seconde sous-station. Bon, c'est pas trop compliqué. On va peut-être refermer la porte pour qu'il n'y ait pas de sabotage. Regardons la carte. Ouais, il y a quand même un pâté de maison à... traverser. Attends, je monte sur les aglos et je monte sur le toit. Voilà, tranquille. Hop là. Eh ben, on va peut-être écumer au passage de trois maisons. Qu'en dites-vous? Passion kleptomanie dans le jeu. Comme disait Poupon dernièrement, surveillez vos tiroirs quand je vous rends visite. L'horreur. On y prend goût, ces idioties de réflexes, là. Hein, bon. Tiens, va faire du bruit. Oh, dans la portière, classe. Comment ça, une clé réglable? Ah oui, elle est posée sur le truc. Je comprenais plus. Y a rien d'intéressant. Aïe! Non, sérieux? Oh! Je suis déception. Oh, il n'y a pas de cadeau! Ah, si, là-bas, il y en a. Oups! J'avais même pas vu qu'il y avait une. Ah! Qu'il y avait une ruelle. Bonjour, Fanfan! Comment que ça va? Oh, il y a du monde sur la place, c'est le cas de le dire. Eh oh, livraison de gaz! Oh, j'en ai dégommé zéro, je suis tristesse. Ah, crochetage niveau intermédiaire. Merdoum! Oui. Alors du coffee, marteau. De toute façon, je prends un max puisque j'ai augmenté mes capacités de sac à dos. Je vais pas descendre par là. Pipidi, pidi, pipidi. Et mon objectif est là-bas. Ouais, mais faut que je contourne la place, là. Je suis un peu cucu, la praline. Ah, il y a une caisse sur le balcon. Oh, là, il y en a une énorme. Oh, puis elle est pas verrouillée. À mon avis, il n'y a pas grand-chose dedans. T'as mal dormi. Oh. Bah, à part Poupon, qui est très fatigué par rapport à son traitement médical... j'ai cru comprendre que les autres ça allait bien, alors évidemment n'hésitez pas à répondre à FunFan. Moi ça va, j'expliquais en début d'antenne que j'étais pas mal encore, ça me travaillait l'enterrement de ma dernière tante, donc émotionnellement si vous voulez au niveau des nerfs je suis éprouvé, mais ça voilà, je fais plein de dons positives avec vous et je vous remercie de votre présence. Comme vous le savez, la recette marche à tous les coups, c'est ça qui est génial.
Ah, Burke, la main sur le mur. Ah, c'est dégueu. Burp. Oh la vache. Non. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un saut aussi redoutable. Non. Ah oui, bien, je peux descendre et puis hop. Elle est où la petite boîte? Je l'ai vu la petite boîte. Ah, une petite scie circulaire. Bref, on est réunis pour le meilleur et pour le rire. J'avais bien pensé à rappeler ma devise. Le 1er janvier. Ouais, je vais passer sur le côté finalement. Merde! Oh, c'est un quoi lui? Pourquoi il est couleur Hulk? C'est un émetteur de gaz, Burke. Oh là là, il y a une nouvelle variété de zombies, ça craint. Bienvenue à Zombieland. Faut pas trop rester le long des murs, parce que ceux qui tombent dessus, je te dis pas le cauchemar. Ah merde, elle m'a vu. Bonjour madame. Oula. Oh là 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 là. Ah! Elle m'a mordu! Vilaine! Ah, je croyais qu'il y avait un truc dessus, mais non. Quoi? Atteignez la caisse avant l'arrivée des bandits. Quoi? Ah, ça? Ah! Oh! Événement aléatoire! On y va! Ah, c'est génial! Tu m'étonnes qu'on y va. Attends, faut pas que je cours trop non plus, parce que... Merde. Ah, oh, chiotte, ils sont nombreux. Non. Oh, oh. Oubliez-moi, oubliez-moi. Ah, merde. Ah, c'est sur les hauteurs. Ah. Ah. Alors, ah oui, les défis, j'ai pas fait. L'espèce de pied avec les trois étoiles là en dessous, c'est une icône de défi. Il y en a des différents, j'ai encore pas fait ça. Ça aussi, c'est le genre de truc, vous voyez, je me réserve hors antenne. Enfin, hors direct. Ah, dégagagagagab. Ah! Ah! Avec un zombie qui pète le feu, ça. Ah, c'est ça. Merde, la bande rivale. Oula, 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 il y a une explosion, je suis mort. Ouh. Ah, il y a une explosion qui m'a tué, il y a quelqu'un qui a tiré sur une bonbonne de gaz. Qui c'est qui m'a dit viens voir ici? Ah, c'est un vendeur, le gars. Oh. Ah, il a des tarifs. Encore que la batte de cricket. Oh, t'entends. Mais bon, je le ferais seulement si j'étais fauché. Enfin, si j'avais pas de matos. Bon, il propose pas de plan, donc ça m'intéresse pas. Alors attends, c'est toujours valable le truc ou j'ai perdu? Ah non, j'ai pas. Il y a encore moyen que j'y aille. Hein. Oh merde. Hop là. Il y a encore moyen que j'atteigne la zone. Merde, comment je fais pour monter, moi? Le bus va m'y aider, j'espère. Ouais. Heureusement qu'il y avait le panneau publicitaire. Avant l'arrivée des bandits. Avant l'arrivée des bandits. Ah, des bandits de... Oh, merde. Ah oui. Oh, mais quel athlète, mais quel homme. Aïe. Ah. Oh merde. Attends, je vais changer d'arme contre lui. Il n'y en a plus qu'un. Donc ça va. Oh bah il est mort. Cool. Je l'ai eu, ma revanche. Un quoi? Une pioche grossière. Ouais, je sais pas si ça va... Marteau de maçon, pelle militaire. Oh non, les stats sont mauvaises. Ah merde, je suis arrivé trop tard. Oh la vache! La vitesse à laquelle il faut se pointer. Bah il est en fer. Ah non!
Ah ouais. Oh cool. Oh cool. Ah si, j'ai quand même une récompense. En fait, je les ai cassés dans leur... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un fourgon biohazard devant moi. Et... Oh! Ah oui, c'est la fumée de la balise. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Évidemment, il y a des excités. Oh, il y a deux types. Ah non, c'est parce qu'ils sont alertés ou pas alertés. D'accord. Alors, je regrette presque de ne pas avoir pris mon 9 mm. Parce que là, ils sont tellement virulents que ça vaut le coup de balancer une bonbonne et de la faire péter dans le lot, vous voyez, façon strike. Ah, tu... Oui, je te disais rapidement, FunFan, quand tu répondais à Christella. Oui, tu regrettes d'avoir du retard dans tes productions de ta chaîne YouTube. Oh, tu finiras bien par prendre ton rythme, va. Tu finiras bien par prendre ton rythme. Il y en a pas mal qui sont buggés, là, quand même, dans le lot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De toute façon, je vais avoir un mal de chien à sauter par-dessus la mare de biohazard. Elle m'intrigue, cette camionnette, vous avez pas idée. Elle était pas là avant, c'est nouveau ça. Oh la vache. Est-ce que j'y gagne quelque chose, moi, de mettre les pieds là-dedans? Je crois pas. Hein. Allez, prise de risque. Ah ouais, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal, mal, mal. D'avoir mis le pied dedans, c'est l'horreur. Donc c'était pas une bonne idée. Je sais pas si je pouvais y faire quelque chose dans la camionnette, mais visiblement non. Non, non, non. Ouais, bah je vais repartir par le côté opposé. Avec l'excité, là. Oh la vache. Ils ont des réflexes. Oh, comment qu'elle est tombée comme un caca. Oui, j'allais dire, ne me dis pas qu'elle se relève après un tel gadin. Elle avait fait une chute d'escalier en pierre. Oh merde. Ah merde, il est pas mort. Oh, galas! Oula, 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 ils sont tous réveillés d'un coup là. Oubliez-moi, oubliez-moi. Non, madame, on m'oublie. Enfin, j'allais dire. Ah, bon, bref, c'était quoi mon objectif? Oh! Alors ça, je comprends pas. Le coup de la plante qui pousse sur la pierre, la roche, j'arrive pas à m'y faire. Le lichen toxique, c'est toujours à même la roche. Ça me rend fou. Ils auraient bien localisé, vous savez, un interstice entre deux rochers, je comprendrais. On pourrait imaginer les racines qui se faufilent entre les rochers, mais là, carrément, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Oh là là, il y a un boss. Je les avais oubliés, les loustiques. Ouais, donc faut que j'aille par là-bas. Oh la vache. Nya. Nya, nya, nya. Je sais pas si je peux passer par au-dessus. Oh merde. Oh, il y a du truc ici, dis donc. Eh, malin, celui qui s'est installé là. Alors, le problème, c'est qu'il y a des zombies qui peuvent tomber de connement de là-haut, mais. Malin, le gars qui a. Intermédiaire. Bon, l'attente. Merde. Voilà. Homme de main. Ah, c'est du... Non, la rage clou. Encore que... Oh, si je peux le revendre au pire. Toujours ça de prix, mais...
Alors, du coup, est-ce qu'il y a des trucs dans les buissons? Non? On sait jamais. D'ailleurs, je m'étonne à ce qu'il n'y ait pas de... Bonjour, Aeroster, j'espère que tu vas bien. Je m'étonne à ce qu'il n'y ait pas de... Parce que la planque, elle est bonne. Elle est bien trouvée. Je m'étonne à ce qu'il n'y ait pas, vous savez, des statuettes de collection. Pour dire, on est passé par là et on a trouvé l'endroit. Parce que je me suis laissé agréablement surprendre par la planque qui est excellente, en fait. Au-dessus du tunnel. Ah oui, il y a de quoi même escalader en... D'accord. Je pouvais pas faire de l'escalade ailleurs. Non, 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 c'est beaucoup trop abrupt. Là, je peux rien escalader du tout. Allez, on se laisse glisser. Il n'y a pas de fourgon de police, non. Non. Ah, c'est trop abrupt. Allez, Crane, tu peux le faire. Voilà. Oh. Eh, vous avez besoin d'un coup de main, monsieur zombie? Ah, je voulais le faire chuter, c'est pas drôle. Vous êtes pas drôle. Oula. Ah, c'est horrible. Ah, comment je vais péter la cuisse. Ah bah, elle est mourue. Elle fait bronzette, là, madame. Je faisais mon sadique. Ah, j'étais là-dessus. Vous vous souvenez? J'étais là-haut tout à l'heure. Oh la vache, les zombies qui ont repris les lieux. Oh là là. Ils ont repris possession des lieux. Ah, ça c'est une planque. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de prendre mon 9 mm et de faire diversion en tirant sur des bonbonnes? C'est tentant quand même. Il est où le sac d'échange de matos? Ah, je crois qu'il est sur la tour radio. Bougez pas. Je crois que la planque est un peu plus haut. Ouh, il est où le sac à dos? Il est au premier étage de la tour. Ah oui, ouais, parce que la zone de sécurité, elle est là. Encore en haut? Non, déconne pas. Oh, faut encore que je fasse de la grimpette. Non, il faut pas que je saute quand je suis sur une échelle. J'ai failli me manger un oiseau dans la tronche. Vous avez dû le voir. Voilà, il est là, l'oiseau. En fait, il y en a plein. Alors, je vais peut-être prendre mon 9 mm, moi. Je range mes dernières trouvailles. Ah, la batte criquet. Ah, la batte criquet, j'ai envie de la modifier. Ouais, je peux ranger mes trésors dans la... Je sais pas si une capacité limite ou pas, mais... améliore les dégâts. Ouais, ça peut être sympa. Je vais essayer de me faire un truc. Et je vais reprendre mon 9 mm avec moi. Parce que stratégiquement, si je peux tirer sur des bonbonnes de gaz, ça va foutre un merdier d'enfer. Mais c'est une stratégie comme une autre. Voilà. Alors, oh la vue, elle est imprenable. Elle est imprenable. Vas-y voir que je me fasse une... Ah, c'est quoi pompe? Effet toxique, ajoute un léger effet toxique pour vos attaques. Et ben essayons sur la batte de criquet. Comme c'est une nouvelle capacité d'arme que j'ai. Est-ce que je peux l'améliorer? Ah ouais, un peu plus de dégâts. Bah voilà. Allez, bah tant qu'à faire. Ça me fera une bonne arme de réserve. Oh, magnifique, magnifique. Allez, on redescend faire la mission secondaire. Je vais essayer de ne pas me vautrer parce que j'en suis capable encore. Ah! J'ai failli me louper, j'ai failli mettre le pied dans le vide. Ah mon Dieu.
Oui, donc il faut retenir que la zone sécurisée, elle est perchée, elle est pas là. Je serais capable de me faire avoir. Et mon point de repère est là-bas. On va peut-être éviter de me briser les os. Voilà, je descends tout doux. Est-ce que je passe par les toits? Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Je vais me faire bobo. Par contre, je suis plus proche en descendant par là. Hop là. Hop. Ça a l'air d'être en contrebas. Merde, il se passe un truc, c'est quoi? Ah! Il y a un mec à sauver. Ah! Merde. Oh la vache. Attends, il est où le gars? Mais t'es où? Ah, t'es dans ton appart? Mais je pars pas, je pars. Ah, d'accord. Arrête de faire du bruit avec les barreaux de la vitre. Tu vas les attirer, mec. Tu m'étonnes qu'ils t'ont repéré. S'ils commencent à faire une ambiance discothèque, là, ça va pas le faire. Ah, hop là. Attends, je vérifie si l'appart est vide, parce que si je me fais... Un survivant. Un survivant qui est peut-être pas... Ah non, il est mort. Ah bah merde alors. Ah, une statue. Yeah, vous voyez ces statues dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, bon caméra café, fun fan. Ouais. T'as bien raison de te faire plaisir, à tout à l'heure. Mais il disait au niveau du contenu des lectures, c'est à jour, c'est juste des chapitres. Ah, tu mets carrément un chapitrage. Oh là, je vais pas. J'investis pas de temps à faire un chapitrage. Ouais, je sais que ça existe, mais. Ça bouffe trop de temps. Bref, mon objectif est là-bas. Il faut pas que je perde mon objectif de vue. Pour ressortir, par contre. Hop là. Hop là. Voilà, je fais pas trop de bruit, ça passe. Ouais, non mais. Tu vois, Nayonesh, je sais pas si t'es encore là, mais tu vois l'importance d'y aller à pas feutrer. Ils ont pas bougé. C'est surtout le bruit, plus que visuel. Attends, là je vais pouvoir descendre. Oh! Attention! Hop là! C'était une belle descente. Là. Oh, il y a de la bouffe. C'est bon ça. Comme ma barre de santé est pas à fond. Elle est à moitié remplie là. Zombie, zombie. Hop là, non, ils m'ont pas vu. Il n'y a pas de zombies, ils m'ont pas vu. Les zombies m'ont pas vu. Poil au hue, il n'y a rien d'autre. Oh, je suis déception. Ah, je sors par le... Oh merde, il y en a un en dessous. Oula, oula, il y en a plusieurs en dessous. Oups. Oups, oups, oups. Oups, oups, oups. Et le bâtiment, c'est... Hop là, hop! Un bon petit saut. Alors, je suis... Oh la vache. Le zombard allait se réveiller. Oh merde.
Elle était en train de muter en je sais pas quoi. Ça va, y a personne. Quoi? Merci de l'avertissement sur le mur. J'avais bien compris qu'il y avait un occupant. D'accord. Ouh! Oh! Un plan! Oh, génial! Électricuteur. Oui, merde, c'est quoi ça? Oh non! Mais quel con! Oh le con! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. La 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 la. Je vais avoir 15 000 zombards autour de moi à la sortie. Oh la boulette. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Aïe 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 aïe. Oh quel nigo je fais. Puis je perds du matos en plus. Allez, c'est parti. C'est bon Alfie, il reste plus qu'une station. Il m'a pas répondu le mec. Coucou. Alors, la station, elle est où? Vas-y voir que je la repère sur la carte. Ah, on voit que c'est un ensemble de... Ouais, ouais, on voit que c'est une grosse station là-bas. Ouais. Alors, comment je sors intelligemment du... la zone, bah par là. Et il faut que je me retourne et que je me barre. Ok. Je pense qu'il faille descendre dans la vallée. Oh, la madame qui me suit. Hop là, jolie descente. Oh, une plante, des plantes. Oh là là, mais il y en a plein ici. Oh là là. Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Oh la belle cueillette. Oh lol. Oh, hey, mais il y en a 50 000. Wouah, c'est la première fois que je passe par là. Oh, je vais vous faire de la chimie. Mais alors, quelque chose de bien, quoi. Merde, faut pas que je descende trop, ils m'ont repéré, là. Il me voit en train de m'extasier à la cueillette. Oui, je me disais bien que j'en avais oublié une. Il y avait une telle abondance de végétaux là que... Oh, le pactole. Waouh. Et puis, vous aurez remarqué, ils sont malins les concepteurs du jeu parce que... Ils ont astucieusement bien joué sur la palette de couleurs pour que ça se confonde dans le paysage et que ce soit pas forcément évident à voir. C'est... Ah putain, on est le long de la rivière, ça craint. Ça craint du boudin. Je vais faire du bruit en allant dans l'eau, moi. Ah! La madame, elle m'a suivi. Ah mon dieu. Ça mène par où? Par là-bas. Pas mal. Pas mal du tout. J'arrive à faire plusieurs centaines de mètres sans me faire trop... Enfin, faut pas que je me retrouve dans un cul-de-sac, mais il y a moyen de... Ah, la vache. Il y a moyen. Oh, merde, c'est par là-bas, mon truc. Oh, encore du lichen... toxique. Putain, mais il y a encore des plantes. Alors, je vais pas tarder à faire pause. J'ai ma vessie qui me pèse. De plus en plus. Hop, dodo. Voilà. Ouais, ils m'ont pas entendu, très bien. Je dois pas être loin de la... Il y a quelque chose là-dedans? Non, il y a rien. Je suis à la station principale. Tu dois trouver le tableau principal. Il est dans un des bâtiments. Ah! Ah! Bienvenue à Zombieland!
Comment dire? Eh, j'ai une bonbonne. C'est là où je suis content d'avoir pris mon 9 mm. Parce que je trouve une bonbonne, je les rassemble tout autour et je tire. Strike. Hein. Alors, je vais attirer les 2-3 excités du quartier proche, mais. Merde, mais il y a du barbelé partout. Comment veux-tu que je fasse mon Yamakaki là? Wow. Il n'y a pas de bonbonne. Non, mais vous êtes tarés. Alors là, honnêtement, je vois pas comment je vais m'y prendre. Si seulement je pouvais faire un strike, mais là, je peux pas. Merde. Il n'y a pas une bonbonne? Oh. Oh, 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 la madame qui m'a pas vu. Merde. Merde, merde, merde. Non, mais en face, il y a bien une bonbonne quelque part. Oh là 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 là. Quoi? Les hommes de Rice, tiens, tiens. Ce serait marrant que je les attire dans le... Et... Ah, c'est dommage, c'est pas transportable. Oh merde! Zombie à la CON. Merde, merde, merde. Comment je peux faire? Évidemment, ils sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de bonbonne de gaz dans le coin. Ah, un petit remontant, ça fait du bien. Ah! Ah, ils sont en train de se faire bouffer. Ah! Elle est bonne. Merde! Bah alors? Ouais, visiblement, ils sont bien occupés. Est-ce que je peux sauter en face? Il n'y a pas de bonbonne, hein, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas. Oh, joli! Oh, il passe même les tasses du dessus. Alors, comme ça, tranquille. Non, non. Ah, si, j'allais dire, je comprenais pas. Je pouvais pas interagir avec le panier d'oseille. En osier, pardon. D'oseille, je pense qu'au fric. Plastique. Merde, 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 merde. J'aimerais bien avoir une bonbonne de... Oh, une statue. On est d'accord, il n'y a pas les hommes de Rice ici. Enfin, je veux dire, à l'étage. Oh, salopard, il m'a repéré. Il essaye de m'allumer avec des armes de jet. Oh, le brigand. Oui, de la bouffe. Et de la bouffe. Merde. Fais pas ta mijaurée. Excellent. Oh, ah merde. Oh. Allez, dites-moi qu'il y a une bonbonne de... Là, la marque Butagaz ou l'équivalent dans le pays, là. Oh, pop, 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 pop. C'est un excité, lui. Putain, je l'ai même pas vu arriver. Je l'ai même pas vu arriver. Bonjour madame. Au revoir madame. Alors, ah. Ah 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 ah. Ah, déjà j'ai un cadeau. Je suis imprudent parce que il faut pas que j'oublie que les zombies peuvent arriver du haut, hein. Donc faut que je regarde un peu plus de manière prudente.
Attends. Ah, il y a une cargaison. Waouh, il y a une rencontre aléatoire et là il y a un parachutage. Oh la vache. Il se passe plusieurs trucs en même temps. Oui, j'ai une omelette à l'oseille. Arrête, tu vas me donner faim. Le pire, c'est que je suis allé me faire cuire un œuf il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis fait 3 œufs à la coque et 3 œufs sur le plat. Et je me suis fait un sandwich d'ailleurs, avec de la betterave, une tuerie. Avec un pain aux céréales, j'ai adoré. Je me suis fait ça en semaine, c'était un délice. Oh, trop bien. Du matos médical. Il y a la porte du frigo qui m'empêche de passer. Bon, bref. J'ai toujours pas... Non, merde. C'est pas une bonbonne transportable. Le parachutage, il va y avoir des zones de rail. Tu vois que j'arrive beaucoup trop tard. Merde, je vois pas mon père. Ah si, il est là-bas. Visiblement, il m'a pas repéré. Oh, il y a un vendeur. Non, ah non, c'est pas un vendeur. J'ai cru que c'était l'icône du vendeur, mais non. Bonjour madame, au revoir madame. Ah! Ah! J'ai repéré une bonbonne, mais elle est loin, hein. Merde. Merdoum. Ça va être dur de faire tout le voyage. Attends, mais il est où le parachutage? Ouh, c'est chaud. Ah, ça brûle. Ah, je me suis brûlé. Attends. Bah. C'était là, non? Je comprends pas. Merde, j'ai un excité. Une excité, c'est une madame. Trop tard, je pense. Oui, visiblement, je suis arrivé trop tard. Merde! Oh, ce jeu est terrible. Ce jeu est terrible. J'ai même pas les restes de du parachutage, visiblement. Bon, j'avais repéré une bonbonne qui m'intéressait. Ouais, je me demande si c'était pas ça. Ah, intéressant. Ouais. Alors, je vais peut-être éviter de repasser par la bagnole cramée. Parce que là, j'ai que la moitié de ma barre de vie, ce qui est pas top. Voilà, si j'avais su. Oh, 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 j'ai vu. Oh, l'oustique qui se laisse tomber. Elle est où, ma bonbonne de gaz? Elle était là où il y avait le mec, ouais. Attends, j'arrive. Non, tu m'as pas vu. Ouais, elle était où, ma bonbonne de gaz? Je vais en avoir besoin pour faire un strike. Ah, elle était là. Alors, il n'y a plus qu'à prier. Attends, merde, j'ai pas mis mon point de repère sur la carte. Oh, le con! Voilà. Mais non, mais... Je sens qu'elle va me péter dans la tronche. Oh, oh, oh! Je suis passé dans son dos, il n'a pas réagi, cet abruti. La 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 la. J'espère que je ne me rends pas dans un cul-de-sac. Oh, ça sent pas bon mon truc. Ah si, je peux tomber. Ah, oui, je peux. C'est pas trop. La la la. Je suis en stress. Oh, magnifique, la livraison va très bien se passer. Ah. Alors. Merde. Ah, il y en a pas mal qui me barrent la route, là. Bonjour, messieurs, dames. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Oh, j'ai une excité. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. On se calme. Bah alors, qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Ouf. Ah. Oui, sauf que... Merde, j'ai mal mis la bonbonne. Parce que quand je vais tirer, je vais avoir le souffle de l'explosion dans la tronche. Ce qui n'est pas forcément... J'aurais peut-être dû balancer un peu plus loin. Attendez. Je prends beaucoup de risques. Ah! Ah! Ah!
Elle va péter! Non, casse-toi! Je suis nul! Ah merde! Ah le con! Je me suis trompé de bouton, j'ai paniqué! Merde! Ah! Ah! Et merde! Ah, oh, je faisais tout vachement bien, consciencieusement, et voilà. J'ai perdu tous mes moyens. Merdoum. Ah. Ah. Zeré va finir par trouver quelque chose. Hein, quoi? Quel putain d'escroc. Il s'enrichit en vendant de l'antisine à des gars comme nous. Parfois sans prévenir. Loupe pas les fumées colorées, c'est des parachutages. Ha! C'est bien, au moins on apprend des trucs avec eux. Alors, par où on sortait du truc? C'était par là. Oui, bien sûr, zombies qui sortent des égouts gratos. Bien sûr. Hop là. Oh. Ouais, ça fait du bruit, mon truc. Il n'y a pas de super excité, ça va? Oh là, eh oh, il y a du monde, là. Eh oh. Ouh là là, j'entends un bail du quartier. Alors, c'est génial. Je prends la direction opposée de là où je dois aller. J'ai pas l'air idiot. Ah. Je suis deg. Mon idée, elle était bien. J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi je vois une flèche? Tu es Calgren, n'est-ce pas? J'ai entendu Aman parler de toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'appeler 31. On est tous humains ici, tu savais? Pas que des nombres. Ouais, je suis Crane. Et toi, qui es-tu? Allô? Alors donc, tu as rencontré Spike, non? C'est un peu notre savant fou à nous. Ouais, je connais Spike. Spike raconte tout un tas de trucs, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Comme son vrai nom, Rudolph, ou bien que son anniversaire est pour bientôt. Il va avoir 50 ans. Il ne les fait pas, hein? T'es en train de me demander de lui trouver un cadeau d'anniversaire? Oh que non, mon Dieu! Il déteste les anniversaires. C'est juste que je louais une chambre à Spike quand l'épidémie a commencé. Alors, je suppose que je le connais mieux que quiconque, car... Tu sais qu'il enseignait à l'université de Californie du Sud? Il a décidé de prendre... Comment on dit? Une année sabbatique. Il y a eu comme un incident avec une étudiante. Très attirant. Attends, Spike a quitté son boulot et il est venu à Aran parce qu'il avait une histoire de cœur avec une de ses étudiantes. Ses parents semblaient croire que c'était le seul moyen pour elle de passer au niveau supérieur. C'était pas des lumières, si tu veux mon avis. Non, il n'y a pas eu d'histoire. Que des accusations. Et je crois que c'était même pas l'idée de la fille. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Spike? Eh bien, si tu pouvais juste lui dire qu'il me ment, d'accord? Sa chambre... Elle est toujours disponible. Ah, ok, je vais m'en occuper. Ouais. Eh ben, j'aime bien ce genre de d'interaction spontanée. J'aime beaucoup. Alors attends, c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Ah, quel idiot je fais. Ah, eh oh! Mais je suis idiot. Je suis dans la zone sécurisée, je vais en profiter pour aller aux toilettes. 30 secondes, excusez-moi. Enfin, 30 secondes, 2 minutes. Je reviens. Que je soulage ma vessie, parce que là, je suis en train de me faire mal, je suis en train de me retenir. C'est pas tout de siroter mon café au lait. Donc, excusez-moi. Je reviens dans 2 minutes. Ah, mais j'ai mon truc. Ah oui, non, alors, je sais pas. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai mon truc post-it.
Attention, je me réinstalle. Je me réinstalle. La 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 la. Hop là. Ah, alors, évidemment, je me sens beaucoup mieux. Bref. Oh la vache. Oh là là, ils sont sur les toits. Voilà. Oh oh oh. Wouah. Oh l'horreur. La décapitation. C'est la tour qui vous parle. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas rentrer à temps, vous devez trouver l'abri le plus proche et attendre l'eau. Bonne chance. Ah oui, c'est vrai, il y a l'heure maintenant, 19h33. C'est vrai. Ah, je prends un gros risque en me... C'est vrai, c'est vrai. C'est génial. C'est génial. C'est là où je me dis que j'ai bien fait de... Merde. De d'écumer, de déverrouiller mes points, de mes zones au début du jeu. Parce qu'il n'y avait pas toutes les contraintes. Là, en gros, je suis dans les conditions réelles du jeu, je présume. Je suis sorti du tuto, en fait. Le jeu arrête de vous prendre par la main en tant que joueur et c'est démerdez-vous, quoi. C'est... Mais je suis loin de la truc ou pas? Non! Oh, c'est juste à côté. Je vais pouvoir le faire avant la tombée de la nuit. Faut que je revienne au sol, là. Faut que je revienne au sol. Hop là. C'est par là-bas. Ah, il y a des trucs à fouiller partout. Je ne résiste pas. Surtout s'il y a du... Ah bah non, du miam, je suis con. J'ai... Mais non, je suis plein de vie puisque je suis mort bêtement. Du coup, attends, j'ai tout fouillé ici, il n'y a rien. Hein. Je m'en voudrais de louper un trophée. Le truc tout bête. Merde, il y a du monde. Bonjour madame. Au revoir madame. Ah non, oh, elle est coriace. Elle est coriace, la madame. Ouais. Wow. Ouais, allez, je peux sauter. Hop là. Ah merde, il m'a entendu. Ah, mon saut était un peu trop... Allez, la station électrique. Merde! Oh la vache, mais ils sont nombreux! Ça va, il n'y a pas de super excité. Hop là. Aïe, 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 il m'a chopé l'autre. Oh la vache! Je sais pas, c'est peut-être bien de... Non? Enfin, ouais, ou je sais pas. Si, peut-être, ça va peut-être m'aider. Allez. Non, pas comme ça. Je me suis trompé de touche. Remarque, c'est peut-être... Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai les pétards. J'avais oublié que j'avais les pétards. Eh oui, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment moins, hein. Alors, est-ce que je peux les attirer par là-bas? Vous n'avez pas encore trouvé d'endroit sûr, c'est maintenant. La nuit est presque là et vous êtes à la limite. C'est vrai. Ça va peut-être mal se finir, mon histoire. Oh là là, mais il y en a combien? Trouver le panneau de contrôle.
Et relancer le disjoncteur pendant la nuit. Ben, on va y aller. C'est pas ça? Oh merde, c'est pas ça. Merde, merde, merde. Ah, shit. On reste calme, on reste calme, on reste calme. Oula, 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 oula. Dis-moi que je peux aller sur les transformateurs, c'est pas tactif. Quand ça est tactif, par contre... Ah. Alors ça, ça me plaît. Quoi? Mais je peux pas interagir avec. C'est scripté. Dis-moi qu'il y a personne dedans. Oubliez-moi. Merde. Ah! Non disponible en journée. Oui, bah c'est le truc à relancer de nuit. C'est le truc à relancer de nuit. Ouah, les boules. Ok, ouais, c'est une planque en fait à sécuriser, mais il faut que je les... Faut que je les électrocute joyeusement. Il y a quoi derrière? Ouais, c'est bâché. Il y a rien là? Non. Merde, merde, merde. Est-ce qu'il y a les barbelés? Ah, excellent, regarde la montre. Excellent. Parce que de toute façon... Ah, bah là je peux, non? C'est fait, envoie la sauce. Tiens bon, tiens bon. Bouffer des bolts, saleté. Ah oui. Progression de l'histoire, j'en suis à 4 sur 44. Et c'est la première grosse partie de l'opus, puisque je rappelle qu'il y a The Following derrière. Je pense que ça inclut pas The Following. Encore que je sais pas. Mais waouh, on va en bouffer des heures et des heures de Dying Light. J'adore, j'adore. Ils ont pas l'air de griller, les zombies, là. C'est... Enfin bon. Bref. Donc, je peux attendre jusqu'au matin, ce qui m'arrange extrêmement bien. Planque du joueur. Est-ce que j'ai des trucs à ranger? Ouais, le petit couteau esqui. Ouais, après, je range du matos. Bon, bah, mériter un bon dodo. Attends. Est-ce que mes armes sont en état? Ah, celle-là, elle est limite en train de péter. Ah, j'ai pas mal d'usure. Hein. J'ai pas mal d'usure. Ouais. Ouais, non, je peux la réparer. Au fait, tu te souviens du DLC qui rend hommage à la démo de Silent Hill? Elle se trouve à quel endroit? Mince, je te l'avais montré, t'as pas vu, j'aurais dû en faire un clip, je l'avais montré un moment en direct. Répétition, l'épisode s'appelle Répétition, et tu devrais l'avoir quand tu lances une partie de carte personnalisée, ça s'appelle Répétition. Heureusement que ma mémoire est pas trop mauvaise encore à mon âge. Oh la vache. Ouais, je vais encore l'utiliser en l'état.
Ouais, je t'en prie, Christella. Au pire, si j'y pense, je te fais un billet dans le... 8 heures plus tard. Je te fais un billet dans ton Discord. Puis il y a autre chose que je m'étais engagé à mettre dans ton Discord, je sais plus ce que c'est. Merde, je sais plus. J'avais dit que je te donnerais une info, je sais plus c'est quoi. C'est peut-être en lien avec Project Zomboid, je crois. Mais je sais déjà plus. Je suis désolé. Hé, hé, hé ! Alors vous êtes au courant ? Je me marre, mais je sors comment, moi ? Allez, on va faire la mission principale. Ouais, il est déjà quasiment midi. S'il joue jusqu'à 13h, autant que je fasse un petit peu la mission principale. Non, mais non, mais non, mais non, mais je peux pas aller sur les trucs, là. Aïe, 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 je me prends la foudre. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, je me prends la foudre. Mais comment je sors de ce truc? Ne me dis pas que je suis obligé d'aller au contact des zombies ici. Mais il y en a trop. Bon, déjà, il y a ceux qui sont attirés par mon... Venez chercher les pétards. Venez chercher. Voilà, donc ceux-là vont se faire griller. Je pense que c'est la technique. Et il va falloir que je me fasse un max de pétards. Je pense que c'est la bonne technique. D'ailleurs, je vais prendre une autre arme que vous voyez bien les zombies en train de se faire griller. On va y avoir une pile monstrueuse de... En fait, faut être patient. Allez. Faites-vous plaisir. C'est horrible. Ah, oh, c'est horrible. Ils arrivent même plus à passer tellement qu'il y a un cumul de cadavres. C'est horriblement efficace. Ouh. Attends, comment je fais pour me barrer, moi? C'était par là-bas que j'étais, moi. Oui, le courant passe bien entre eux, m'en parle pas. Oh la vache. Oh non, c'est un cul-de-sac. Ah! Ah non, je peux passer. Ah, c'est faut passer par intermittence. Oh la vache, les boules. Oh non, je me prends des châtaignes. Merde, il m'a vu, lui. Oh oh. Oh. Aïe. Non, mais je vais crever comme un caca. Oui, c'est par là-bas. Aïe, 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 aïe. Ouh. Oubliez-moi les zombards. Ah oui. Ouh. Me sens mieux. Oh la vache. Dur, dur. Ah, je pense que vous me voyez bien. Je vais désactiver ma lampe parce que ça me fatigue moins les yeux d'avoir ça dans la tronche. Attends, D, pardon. Je suis en train de flipper avec mon téléphone, je le vois allumé. Ah non, j'ai reçu une pub à la con, d'accord. J'ai dû avoir le SMS tout à l'heure en matinée quand je me préparais ou quand je suis allé aux toilettes. Rice, 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 il est où le rice? Waouh! Ah ouais! Ah, il est loin, le salopard. Eh ben, on va faire une belle promenade. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Alors, je rappelle que le jeu est bien gore. Je suis désolé si ça vous dégoûte pendant votre repas. C'est pas mon but.
évidemment. Ce serait sadique de ma part. Mais j'ai envie de dire, vous êtes prévenus. Remontons la pile de déchets. Se demander s'il n'y a pas des trucs dans les tuyaux. Je peux faire mon équilibriste? Ah oui. Ouh, je vais avoir chaud. Je vais avoir chaud. Ah non, ça va. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du peuple là. Attends voir. Ça se passe à l'étage. Ah, c'est lui qui est prisonnier, c'est ça? Doucement, doucement. Merde! C'est pas le bon côté. Je suis en enfoiré, je prends le temps de fouiller au lieu de le sauver. Le gars, il va crever. Merde! Ah, j'ai loupé mon saut! Ah, bah, il n'y a qu'à rentrer, visiblement, non? Attends, il est où, le gars? Ah, c'est un mec dans une armoire! Je comprends mieux. Vous êtes pas infecté, n'est-ce pas? Faites attention à vous. Ces choses peuvent être partout. Tenez, c'est pour vous. Bonne chance, mon ami. Soyez prêts. Merci pour le LED. Non, c'est fermé. Ouh ! Alors, hein. Ah. Un petit peu de matos à récupérer. Oui, de la vie, j'en ai besoin. Là, je suis à... Oula, je suis à 66 sur 150 de vie. Pardon. J'ai pas la moitié de ma barre de vie, donc ça le fait pas. Waouh, il y a des apparts à visiter là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ah, il y a des poubelles à fouiller. Mais je vais refermer la porte. Hein. Oups là. On n'a rien vu, rien entendu. Poilou. Ah merde. J'avais pas vu qu'il y avait une... Un accès activé. Ah bon? Ah oui! Oui, oui, bah non. Non, bah c'est bon, tu peux éteindre le truc, va. D'accord. Papa, la papa. Papa, ah. Petit placard, il y a quoi? Oh, sucrerie! Oh, une petite douceur qui me rapporte... Comme quoi, il faut bien mettre ses yeux partout. Une sucrerie qui me rapporte 10 points de vie. Vive les sucreries. Uh-huh.
après, il n'y a rien. Là, il y a le panier en oseille. En osier. Oh, faut que j'arrête avec mon histoire d'oseille. C'est bizarre, d'ailleurs, que j'ai la confusion. Entre osier et oseille. Mon cerveau qui bug. Alors. Plus haut perché je serai, mieux ce sera. C'est la phrase du jour. Attends, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il n'y a rien d'intéressant, je vois pas de contenant. Ah, si, il y a un contenant. J'ai rien dit. Et la porte s'ouvre? Non, non, ah non. Eh, le mec, il se met une grille, pardon, mais il est en sécurité dans sa cage. Hein. J'aurais pas à dire, mais... Au niveau de la planque, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Il faut que j'aille là-bas. Et hop là, j'espère que je fais pas trop de bruit. Par où vais-je passer? Oyez, oh yeah, oyez. Oh yeah. Non, là, je suis obligé de revenir au sol. Là, je suis. Il y a trop d'écart entre les baraques. Bien. Par contre, j'ai fait un boucan d'enfer. Autant ça amortit, autant ça fait un vacarme. Ça craint du boudin. Bonjour, madame. Ah, j'ai cru un instant qu'elle allait avoir le coup de foudre. Ah, ah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Merde, ils m'ont vu, forcément, mais il y a des trucs ici. Il y a des trucs. Ah, je prends tous les risques. Ah oui, il faudra que je me refasse des... De quoi ouvrir les coffres. Ah, il y a de la thune. Ah, si, il y a plusieurs trucs. Oui, oui, les points de compétence, on verra un peu plus tard. Ouais, ils m'ont repéré, génial. Je peux pas sortir, je suis dans la merde. Voilà. Voilà, merci. La 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 la. Bonjour, messieurs. Ouf. Je lui ai tranché le cou au couteau le doux. You. Ah, la petite batte de baseball. Alors, ah bah, je suis à côté d'un... Ah, il y a un vendeur. Non? Ah non, c'est la vente de l'appart, pardon. Comme un ego, j'ai cru que c'était une annonce de magasin. Coucou. Bop. Là, c'est beau. Ah, magnifique. Non, non, c'est trop tentant. Ah bah, c'est sur mon chemin qu'il y a une caisse. Ah, je vais essayer de me manier les fesses. Attends. Je me demande si je n'étais pas en train de prendre la mauvaise direction, me mettre dans le doute. Oh, il y a un tunnel, il y a des trucs. Il y a forcément des trucs. Attention. Pardon, je vois que... Bonjour, Nayonet. Oui, bonjour, bonjour. Re, ouais. Pardon, parce que du coup, je suis concentré dans mon truc. Ah non, ne me dis pas que c'est sur le ponton routier, puis il y a un boss. Ah, je vais pas pouvoir y aller. Non, il peut pas. Tu peux le faire. Oh, quel homme! Ah, c'est pas le pont routier, c'est le... C'est le chouchou de train-train quotidien. Eh oui, il y a une balise avec un... Ouais, tu peux... Allez. Merde, les hommes de Rice.
Je sais. Pas du tout. Oh la vache, salopard, il a une portée de tir. Merde, les zombies viennent pas. Oh, je voulais les inviter à la fête. Je voulais les inviter à la fête. Allez, les zombies peuvent pas faire le boulot. Hop là. Je ruse, moi. Je m'en fous, j'appelle de l'aide. Mais non, mais vous êtes sérieux, c'est scripté. C'est par où la fête, c'est ça, exactement. Oh, il y a un boss. Là, on va rire. Là, on va voir si le jeu est bien programmé. Excellent. Oh, c'est génial. Diviser pour mieux régner. Ah, ils sont coriaces. Bon, il y en a un qui vient de chouard. De quoi t'as peur? Viens pas de comme un homme. Oh, le bordel. Ah! C'est horrible, mais c'est un spectacle vachement intéressant. Hey, des coriaces, hein. C'est des coriaces, hein, les gars de Rice. Oh la vache. C'est super bien programmé, j'adore. Oh, un vrai spectacle. Morbide, mais un vrai spectacle. Ouf. Ouh, il a pris cher, là. Eh, il n'est pas parvenu à se débarrasser du petit zombie. Hein. C'est ça qui est dingue. Il se bat? Ah merde! Il arrive à me faire mal! Oh! Oh, oh les insultes! Oula, faut pas qu'il détruise la cargaison! Eh, je pourrais presque me servir pendant qu'ils se battent, mais il faudrait qu'ils se barrent de la boîte. Ouch. Il est encore en vie, mais il a pris cher. Alors, est-ce que je peux tenter de...
Oh la vache. S'il fait ça, je peux pas. Ah, c'est génial. Je me lasse pas du spectacle. Ah, il est encore en vie. À mon avis, il va pas tarder à y passer parce que... S'il pouvait se décaler un peu, je serais tenté d'aller à la boîte, au container et de me barrer. Ouais. D'ailleurs, ça m'empêche pas de fouiller les corps de ses coéquipiers morts. Ouais, ils ont pas... Marteau de maçon, ouais, bof. Et l'autre, il a quoi? Ouais, il a du fric, mais bon... Je sais pas si je peux la tenter... Eh ben c'est cool! Ah, puis visiblement l'autre il est mort. Je me trompe? Ou alors il a disparu parce que... Ah non, il est mort. Il s'est fait avoir. J'ai gagné! J'ai gagné! Eh ouais! De l'intérêt de diviser pour mieux régner. Eh ben, je suis pas mécontent de ma technique. Putain, c'est bizarre, il y a des bidons de cochonneries partout. Oh, les fourgons ambulances et police, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Là, à mon avis, je vais avoir une trousse de soins. Faut juste qu'il me repère pas. Ouais, j'ai ma trousse de soins en cadeau. Très difficile. Merde! Il y a possiblement un flingue dedans. Quand ils disent très difficile, c'est que le butin en vaut la chandelle. Merde, je vais me faire repérer. Comment qu'elle a gueulé? Ah, merde. Ah, merde, merde, merde et merde. Ah! Je suis sûr qu'il y a du butin dans la dans le fourgon. Et puis elle va finir par péter. Oui, il faut que je la répare, ouais. C'est bon. Est-ce que je peux faire un crochetage tranquille? Tant que l'autre près de l'arbre, ça ira. Merde! J'ai trouvé, c'est par là. Merde! Ah! J'étais dessus! Oui, j'ai réussi. Pardon, je stresse. Une pelle militaire, ouais, pourquoi pas. Ah, des munitions de fusil, sympa. Sympa, sympa. Il faut que j'aille par là-bas, il faut que je mette à jour ma carte. Moi, je suis resté sur la livraison bonus. Déjà 13 heures dans le jeu, oh mon dieu. Attends, ça m'intrigue. Il y a un truc dans le bus ou pas? Oh, il y a un truc à fouiller. Une compétence non utilisée.
C'est trop calme, je trouve. Non, c'est pas une zone de défi? Parce que les tunnels, en général... Ah non, il y a des zombies là aussi. Donc le coup de la quarantaine s'est loupé. Bizarre. Véhicule avec du produit toxique. Ah, j'ai un coffre à... Ah, sympa. Liquide conducteur. Bon, ça. Ça s'arrose. Tu m'as l'air un peu trop vive, toi. Ouais, je la sentais pas. Sans mauvais jeu de mots. Merde ! Une excité. Ah, elle m'a quasiment buté. Obligé de faire usage d'un kit de soins. Alors attends, il faut que je fasse de l'escalade là. Je sais pas jusqu'à quel point. Ah non, il escalade pas ça, c'est trop... Non, t'es sûr, il peut pas? Ah merde. Ouh, c'est chaud. Je veux aléatoire, question. Oui, c'est bon, purée de carotte. Ah, purée de carotte, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Attends, c'est de l'autre côté du tunnel routier? Je suis désorienté. Ah non, il n'y a plus rien là. Wow, c'est haut! Ah, là c'est moins haut. Oui, là il y a de l'herbe. Je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. Qu'est-ce que c'est que ce truc de point wifi là? Oula! Ah, c'est les gars de Rice. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, c'est les excités qui font un guet-apens. C'est vrai que c'est chaud, hein, les mecs bien portants de Rice. Pour les avoir, c'est pas évident du tout. Ah, gazoduc. Oh! Non. Ah, je me disais... Ah, sympa! Ouh, qu'elle est vive, la madame. Évidemment, elle a tiré du monde. Elle a... Oh, difficile! Non, 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 pas maintenant. Attends. Il y a sûrement un cadeau à la clé, mais... Il n'y a pas d'autres zones... Putain, puis je suis dans une zone inflammable, je te dis pas l'horreur. Reprends ton endurance, Crane. Ah bah ça va. Ouh! Me fait peur. Bon. Je pense que je vais être peinard pour... En quoi c'est une... Oh, mais il y a des trucs dans les bassins. On voit une caisse. Sérieux? Ah, il y a un tuyau. Je sais pas, c'est bizarre.
Merde. Excusez-moi, mais... Merdoum, comme disait Nayonet. Ah ouais, il y a du matos par ici. Quoi, vive le mariage des deux? Patates et carottes, avec un peu de persil. Ça me serait pas venu à l'idée de faire ces recettes, mais pourquoi pas. Ouais, au pot-au-feu. C'est vrai que je m'en... Tiens, c'est marrant. Vous êtes en train de me faire prendre conscience que je m'en suis pas fait cette année. Du épée qui pue. Ah. N'importe quoi. Je me suis pas fait de pot-au-feu cette année. En fait, c'est parce que cet hiver, il a pas été rude. Donc ça m'est pas venu à l'esprit de me faire un bon pot-au-feu. Pareil, j'ai la chance d'avoir des briques de soupe. Je m'en suis fait aucune. J'en ai 3 en stock. Et... faudrait que je fasse gaffe aux dates de péremption. Mais... mais non, 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 quoi. Donc j'ai cru voir... hein, ouais, il y a un tuyau. T'arrives par un tuyau. De l'intérêt de se faufiler hein, dans les canalisations. Il n'y a pas à dire. Attends, je vais peut-être passer par là, ce sera peut-être mieux. Présentez-vous à Rice. Attends. Voilà. Hop là. Mais... oh, mais comment ça qu'il m'a entendu? Oh, c'est profond par ici. Je peux le faire à la nage? Oh, ça m'intrigue. Je prends le risque. Eh ben, c'est pas ça le tuyau. Ah, c'est ça. C'est le fameux tuyau. Alors, ça vaut le coup? Oh, oh bah, bravo. Tout ça pour une lame de... mais je me demande si ça fait pas l'objet d'une quête, en fait. Et y'a rien. Je peux pas ouvrir par le dessus? Non, visiblement, c'est... ça va faire l'objet d'une quête, le truc, là. Ouais, bonne app, fun fan, bonne app. Attends, au moins je suis au sec dans le bus. Ouais, sauf que dans le bus, il n'y a rien d'intéressant. Ok, il est là-bas, le gars. Tire pas. Je viens voir Rice, c'est Brecken qui m'envoie. Il veut passer un marché. Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Oh la vache, ils se sont barricadés. Ah, ah ouais, bien. Bonjour. Waouh. Bon. Ah! Mais j'avais déjà visité la zone en fait. Mais elle était inerte à ce moment-là, au début du jeu. Alors, scénario. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche? Gauche. Tu parlais de ma gauche ou de la tienne?
toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Ouh, ça va être chaud. J'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité. Wouh! Oh, couteau rouillé en plus. C'est bien, le mec va avoir une infection. La totale. Oh! Je change de camp. Ouh, waouh. Ah, attends, c'est qui? C'est lui? Je ne comprends pas. Pourquoi il m'indique le truc et que je vois pas? Ah, il est à l'étage peut-être. Comment on monte chez vous? Waouh. Waouh, le carnage. Ah ouais. Attends, je regarde un peu le camp ennemi. Enfin, ennemi. Leur camp à eux. Comment ils ont aménagé ça, eux? Original. C'est intriguant. Leur signe de... prise de contrôle de territoire. Attends. Pourquoi? Il m'indique le point là, mais il n'y a personne là. Il y a du matos. Il est évident que je vais pas parler à une caisse. Ah! Entrer à l'intérieur. Merci. Un peu de logique. J'ai rencontré Rice. Jad a raison. C'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a donné le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'antisine. Un rebut de la tour. Non, magasin, il vend vraiment. Tu veux nous rejoindre? Oublie ça, tu tiendrais pas une seconde. La physique, j'aime bien la bouteille qui est tombée quand j'ai mis un coup de pied dans le... Ah, il y a bien un mec qui vend, hein. Il se fout de qui vient d'où et de quoi. Oh, plan clé de Benjamin Franklin. Volontiers. Ah, les plans, c'est de l'or en barre, j'achète. Peine militaire, dégâts 51, et par 3 une amélioration. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Le reste, il est trop cher. Et il a pas... Non, le plan. C'est juste pour le plan, ça valait le coup. Oh, le matos. Allez, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Fine. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Waouh, 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 waouh. Eh ben. Oui, bon appétit, hein. Je vois que vous passez à table, vous avez raison, vu l'heure. Savourez paisiblement votre repas, vous avez bien raison. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice, son larbin en chef, en fait. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice.
J'adore vraiment faire une garçon de course. En même temps, des antennes, va y en avoir un paquet. Bon, on va contacter le GRE d'abord. On va aller à un coin discret, au perché, et on va faire de la com. Oh merde. Oh là là, il y en a du monde. Il faut que j'aille vers là-bas. Ah, les wagons, il y a moyen. Il y a moyen, mais... Oh la vache. Oh, ils sont nombreux. Oh là 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 là. Est-ce que je peux me refaire des pétards, moi? Pétards, je peux en refaire 9. Tu m'étonnes. Ouais. Des crochets aussi. Encore que les crochets, ça peut attendre. J'en ai encore des prêts. Mais... Tant que je me fasse un kit de soins, j'ai ça sous la main. Liquide inflammable. Putain, j'en ai 62 des liquides inflammables. Bon, je pourrais faire 43 cocktails Molotov. C'est pas con. C'est pas con. Je m'en fais 3 petits, hein. Je vais pas vous faire subir des recettes en direct. Ça, c'est le genre de truc que je ferais soit dans mes... Merde, j'ai cliqué sur une fusée éclairante. Soit dans... hors antenne, quand je diffuse juste sur YouTube, pour ceux qui veulent vraiment voir mes aventures au complet. Parce que là, c'est une partie gestion qui est pas passionnante. Mais bordel, ils sont combien? Je peux pas sortir d'un autre endroit de chez Rice. Attends, je vais tricher avec les lieux parce que... Oh, merde, ils ont barbelé partout. Sauf là, c'est pété. Bon bah ça m'arrange. Ça m'arrange bien. J'ai bien fait de prendre le temps de lire la géographie des lieux. Oh, il y a des champignons. Oh, il y a de tout ici. Moi, je suis pas là pour faire la cueillette. Enfin, tant que ça se présente à moi sans qu'il y ait de zombies. Oh, le tunnel doit y avoir des trucs. Quoi ? Crane. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane terminé. On avance. Ah, livrer la caisse à l'intendant. Tiens, tiens. C'est tout dans la même direction. Je serais tenté d'aller voir ce qu'il y a dans le tunnel. D'ailleurs, le wagon, il n'y a rien dedans. Ah, si. Si. Ah. Je pense pas que les zombies viendront dans le wagon. Oh, surprise moyenne, puisque... Ah, un marteau de maçon, pas mal. Ah, une amélioration. Pour une arme. Ok, sympa le wagon. Sympa. Il m'intrigue ce tunnel. Ah, le tunnel ferroviaire. Ouch.
Ah, elle n'en est pas morte. Là, si. Elle en a perdu la tête. Et lui aussi. Ouh, violent. Ah, bah, je peux faire un peu de cueillette. La, la, la. Ah, nouvelle zone de quarantaine découverte. Excellent. Ça, c'est des défis de fou furieux à relever bientôt. Quand j'aurai augmenté un peu de niveau. Ok. Donc ça doit être l'autre porte. Ça doit être l'autre porte. Ouais. Année sainte. Oh, oh, oh. Alors les défis là, peut-être que j'en ferai en direct. Et les autres, parce que j'ai deux autres zones de quarantaine découvertes, je me les ferai en YouTube. Comme ça fait pas partie de l'histoire principale. Bon, trouver une antenne de télécommunication. Alors, l'antenne de télécommunication, je ferai ça une autre fois. Possiblement le week-end prochain. Alors, je vous dis déjà que le week-end prochain, je serai là que le samedi matin. Et encore, je l'espère, c'est pas sûr. Merde, j'ai attiré du monde. Ouais, je vais peut-être pas... Merde, mais il m'a chopé! Salopard! Eh bah, du coup, je vais les exterminer! M'a fait mal, le salopard. Je sais même plus, j'étais en train de regarder. Oui, il y a une clé à molette, ouais, bof. Ouais, je pense que j'ai suffisamment de matos. Tiens, il y en a encore une là. Falloir que je fasse mon petit chimiste. Parce que au niveau plantes champignons et le lichen toxique, j'en ai une tripotée. Oh! Un zombie de feu. Trop tentant. Ah! Il a pas perdu l'équilibre. Salopard, voilà. Oh l'autre, il abuse. Putain, j'en reviens pas comment il a tenu. Ah, wagon, il y a quelque chose dedans. Il m'a l'air bien vide. Non, il n'y a rien dedans. Alors, oh, il y a des mecs. Il y a un gars qui a l'air de se faire dévorer. Ah, ouais, pour les deux gars là. Oh, ça peut s'arranger. Hop là, coucou. Ah, puis il y a peut-être des choses à... Je m'en ris. Il a failli m'avoir, le salopard. Il a essayé de me choper. Ah, là, il peut plus. Il a perdu la tête, le monsieur. Ça va, toi? Hein? Il m'a sauté dessus. Oh, merci. C'est un miracle que vous soyez passé par là. Ah, amélioration d'armes, sympa. Oh la vache. Waouh. Je sais pas de qui il parle, il avait quelqu'un en... En grief, on va dire. Ah, je me disais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait rien à shipper dans le coin. Quand même, il y a un petit frigo récompense. Bon, ça, c'est une cagette de mes deux. Faudrait que je remonte sur mon... Ah bah, c'est facile. Je fais l'objectif du... De la livraison, là. Je vais essayer de voir ce que ça rapporte, les points bonus. D'ailleurs, je vais bien le noter dans ma... C'est quoi, ça, protéger? Wow, j'ai des nouveaux objectifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, le parachutage, j'en ai marre. J'ai fait mes parachutages du jour. Attends, c'est où le... Ah, mais c'est loin. Ah, bah c'est... Il faut que j'entre à la tour, en fait. Faut que j'entre à la... Bah, c'est bien de se quitter sur la tour. Surtout qu'il va faire nuit, là, il est 18h. Hey, Al Capone, t'es prêt? Je dois faire quoi, exactement?
capteurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Mais un empereur doit gérer son empire. Merde, il y a un excité qui m'avait repéré. Heureusement que je peux monter. Non, il monte jusqu'à moi ? Non, il est pas assez doué pour. Salopard. Ah, ils sont terribles. Hein. Ouais, un paquet de clopes. Non, moi, ce qui m'importe, c'est la chute sur le wagon. J'espère qu'elle va pas me suivre. J'ai bien envie de fouiller le wagon. Hop là. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah oui! J'ai bien les petits crochets. La petite crochet. Da di du di du du du. Di da di da du. Mhm. Mhm, mhm. Il y a quand même, c'est là où c'est bien pensé, il y a quand même des zones où il y a rarement des zombies. Donc quand on les a repérés, ça fait des voies de circulation très intéressantes. Ah, non, sérieux? Ah, j'y ai cru. Oh, merde. Oula. Hop, 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 oh, mais elle a fini de me choper, elle. Oh. Merde, c'est barbelé. Je pensais que je pouvais faire un petit saut, mais pas du tout. Ah, ce n'est plus barbelé. Et c'est pas une zone sécurisée. Tiens, ça m'étonne. Oh, ça pourrait presque l'être. Oh, ça me surprend. Non, c'est un... J'ai cru que c'était un sac à fouiller, mais pas du tout. Alors, verrouiller aussi, merdoum. Hop là, attends, vas-y voir. Il faut peut-être que je me barre par là-bas plutôt. C'est bizarre. Non, il n'y a rien. Merdoum, je sais pas où sauter. Attention, voilà, que je m'accroche pas au barbelé parce que sinon je vais y laisser ma peau. Oh les, hey, on est encore loin de la tour. Hop là, coucou les gens. Ouch. Objectif tour. Non, visiblement le wagon était vide. Hop là. Pareil. Oubliez-moi, oubliez-moi les zombies. La 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 la, oubliez-moi. Oh, il y a une caisse? Non, on déconne pas. Ouais, visiblement. Ils m'ont pas repéré. J'ai même pas un zombie qui est sorti des égouts. Je crois que je peux commencer à me percher, non? Le petit... C'est ça. Je suis en route pour la tour. J'aimerais bien aller là-bas. Oh là là, mais quel homme, mais quel athlète! Oh, ce crane extraordinaire. Hop, je peux aller par là. Hop, 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 hop. Non, c'est trop. À moins que... Oh, bien. Oh, merde!
Ah ouais, je m'attendais pas à croiser un zombie. Comme quoi. Je sais pas par où qu'il est passé celui-là, mais c'est un malin. Ah, peut-être par là, ouais. Oh la vache. Wouh! Papa, zombie, avec la distanciation, j'ai beaucoup de mal. Hein? Quoi? Attends, j'ai cru voir un excité qui court à mort. Oh, goudou, bien. Je serais presque tenté de... Oh merde, j'ai un excité. Joli. Double saut magnifique. Ah. Ah, c'est là-bas la tour. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je retrouve pas ma porte habituelle. Pa-pa-pa-pa, attention au bruit. Ouh là là, et il y en a eu. Mission accomplie. Yes. Oh la vache. Attends, mais c'est une entrée que j'ai jamais prise. Ah oui, j'ai pris en... D'accord. Ouais. C'est une façade que je connaissais pas du Schmilblick. Ok. Alors, celui qui achète... Ah, c'est lui qui achète les caisses. Merci, excellent. D'accord. Ah, et il m'offre tout ça. Cool. Est-ce que les zombies mangent les pop-corn avec les doigts? Oh mon dieu. Drôle de concept. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Ah ça. Ouais, mais il y a rien de nouveau, mais il faudra que je les fasse, c'est vrai. C'est, on va dire, c'est des missions tertiaires de voilà quoi. Et c'est très bien. Ouh. Bon bah je vais retourner à ma planque moi. Attends, oui, heureusement qu'ils ont tagué les murs en disant par là et l'ascenseur, parce que je serais capable de me planter. Ouh, vache. Non, non, ils mangent les doigts séparément. Oh, c'est une scène. Je vais passer à table bientôt. T'es terrible. Papa. Bien. Pipidipidipou. Donc ma planque, c'est la porte des gardes. Je finis par réussir à prendre mes repères. Workshop, c'est pas ça. Garde, voilà. Et ma planque, elle est... non, pas dans la salle de bain. La porte suivante. Voilà, ma planque, elle est là. Oui! Magnifique! Ouais, la pelle militaire. Ouais, je vais la ranger. Tac. Bien! Oh, c'est cool. Je cumule du matos. C'est toujours une bonne chose pour le... Ah oui, tiens, j'ai pas fait... Oh, je verrai une autre fois. Va, je vais... Alors, normalement, ça sauvegarde. Je dis bien normalement. J'espère. Sympa. Et peut-être que la prochaine fois, si je pense bien, ça devrait être samedi matin prochain que je referai du Dying Light. Il faudrait que je pense, avant ma prise d'antenne, de faire un max de combinaisons. Vous savez, les kits de soins, les crochets, etc. Que je vous fasse pas subir en direct, parce que c'est tout sauf passionnant. Et de toute façon, vous verrez que j'aurai fait la recette quand j'ouvrirai mon inventaire.
Oh mon dieu, Tunsen, tu vas faire un truc trash en van, mais ça va être la dernière parce que je fais un relais de chaîne. Je vais aller manger pour de bon. Monsieur et Madame Morve ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Ivan. Mort-vivant. Ça va, c'est gentillet. Ah, c'est avec lui que j'ai... Il n'a pas un plan, non? Avant de quitter la partie, non, il propose pas de plan. Eh ben c'est cool. Ben, je vais m'arrêter là. Waouh! Eh ben c'était bien. C'était bien. Je suis mort combien de fois? J'ai pas compté. Je suis mort une fois avec ma bêtise au niveau truc électrique et la bonbonne de gaz où j'ai paniqué. Et je crois que je suis mort une deuxième fois, je sais plus comment. Correct! J'ai fait quoi? J'ai fait 3 heures de jeu. Je meurs. Bien sûr, lapsus révélateur. Je meurs toutes les 90 minutes, je crois. Ça doit être ça mon ratio de de survie. Ah là 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 là. Ah merde, j'ai pas ouvert mon navigateur, donc je ne sais pas qui est en direct Twitch ou pas. C'était calme ce matin, je pense aux remerciements. Je crois que j'ai pas de. Je regardais à deux fois par principe, mais je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas eu d'événements spéciaux. C'était bien, c'était calme aujourd'hui. Enfin, ce matin déjà. Tout à l'heure, alors, je reviendrai à partir de 14h. À partir, hein, pas forcément à 14h pile, le temps que je me fasse mon miam. Sonic 3. Sonic 3, mais je pense que je vais la reprendre depuis le début. Parce que comme c'est un opus que je connais mal, je vais pas faire mon jeu de, vous savez, de save state, là, de chargement, machin. Je vais m'efforcer de la jouer honnête. Alors on verra peut-être sûrement d'ailleurs les premiers niveaux plusieurs fois. Et puis après on verra, je sais pas, il n'y a rien d'autre qui m'inspire. J'ai un certain Picalel qui m'a suivi avant-hier, c'est gentil, merci. Alors. Non, c'est un bug. Ah, on sent toute la journée. Oh, il y a Nounours qui diffuse, dis donc. Ah. Ah, pas mal. Ah, Nounours qui fait des jeux rétro. On va aller voir Nounours. C'est 60, hein. Nounours au pluriel 60, ouais, que je me plante pas. Voilà. Ah bah t'arrives au moment où je vais rendre l'antenne. Bonjour Pomme Pop. Oui, merci. Tous mes voeux à toi aussi. Santé, bonheur, prospérité à toi et ta famille. Merci à toi de faire un coucou. Alors excuse-moi, mais je reviens en début d'après-midi, je vais aller me restaurer. Je reviens à partir de 14h. Là, je m'accorde une grosse heure de pause. Et honnête, c'est un truc de nettoyage. De quoi vous parlez? On va aller chez Nounours le temps de la pause déjeuner. C'est là où je me rends compte qu'il est également en pause miam et puis qu'il avait foutu un écran d'attente. Merde, j'ai un truc de pub à la noix, on s'en moque. C'est pas ça qui est. Ah si, visiblement, il y a du. Ah, je vois que t'as anticipé, tu une scène. Tu dis déjà bonjour, je vois sur son chat. Ah, je vais dire bonjour Nounours, bonjour tout le monde. Aime bien, tu prends les devants. Sacré une scène. N'aime que le sucré de type gras. Même Allez, pas à tout à l'heure. J'aime Merci d'avoir genre le suivi. Le relais de chaîne va se saucisson, le faire dans quelques fromage, la secondes. charcuterie en général. Mais le sucre, c'est pas mon délire. Eh, doucement, mon fauteuil, toi. Ah, il se bat avec son Vous avez fauteuil, fait spawn un Nounours. chat. Voilà. Il a du mobilier rebelle. Et coucou les sages, comment ça va? Quoi de neuf? Du coup, t'en es où dans les points au bout de 3 heures de live? Alors, je te dis ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Alors, je pars en 32, 33, pause 34, 35. déjeuner. On est à 35 points pour le moment. Merde. On est à 35 points. Et merci le sage pour ton raid. Bienvenue à toi et tes raiders. Comment vous allez? Bah, tranquillou. Bon, bah, c'est le principal. Tu vas jouer à Stray. Même pas.
Dans l'année. Dans l'année, on va le faire, Stray. On va le faire dans l'année, mais pas tout de suite. Et merci pour le SO, pour la dédicace. N'hésitez pas à découvrir le sage de Nancy. Je pars en pause déjeuner. Bon app à toi, le sage. Bon app, profite bien. Et puis, bon courage pour cet après-midi. Je crois que tu relances après. Ouais.